Eh bien, nous pouvons démarrer. Donc, euh, bonsoir à toutes et à tous. Euh, je suis ravi que que vous soyez tous, euh, toutes là ce soir, malgré le, le coronavirus qui nous a donné quelques inquiétudes là sur le fait que cette conférence allait pouvoir être maintenue. Hein, L'amphi est quasi plein, donc euh, c'est bien. Et donc ce soir, euh, nous avons la chance d'avoir avec nous euh, Julien Bobroff qui va nous parler de physique quantique et d'ordinateur quantique. alors, juste pour dire quelques mots concernant julien, donc il est, il est physicien, un professeur à l'université paris-saclay et membre du laboratoire de physique des solides. il a fait donc des recherches en supraconductivité sur les matériaux quantiques et maintenant il s'intéresse plus spécialement à la vulgarisation et à l'enseignement de la physique en dirigeant une équipe qui s'appelle La physique autrement. On sait que la physique quantique, c'est effectivement très difficile à, à expliquer, à faire comprendre au, gros public, au grand public. Donc, il mène une activité sur ces questions-là et vous avez certainement vu des, des vidéos. Moi, j'ai eu par hasard le, la chance d'entendre une émission de radio à France Culture euh, pendant un voyage, et c'était très intéressant. Et je voulais signaler au passage, peut-être certains d'entre vous connaissent un, un livre euh, qui s'appelle Mon grand mécano-quantique, justement, euh, sur, le, euh, sur la mécanique quantique. Je ne le connais pas moi-même, mais on m'a dit que c'est un livre très intéressant, donc je vous le recommande. Voilà, maintenant Julien, je vais te passer la parole donc pour, euh, pour cette conférence. Merci. Bonsoir. Merci d'être venu. On n'y croyait pas trop. On se disait il y aura 15-20 personnes dans la salle. Donc je vous le rappelle vous ne parlez pas comme ça à la personne à côté de vous. Vous vous lavez bien les mains, vous, vous lavez bien le bout des doigts pour qu'on ne culpabilise pas en se disant qu'on soit tous contaminés ce soir. voilà. Et c'est peut-être une des dernières conférences que je fais avant un certain temps ou un des derniers enseignements en direct. Voilà. Euh, donc, on va parler, on va essayer d'oublier le coronavirus pendant une heure au moins et parler de physique quantique. Voilà, c'est une façon comme une autre de se distraire. Euh, et je vais donc vous parler d'ordinateur quantique ce soir, donc euh, un sujet d'actualité. Alors, on m'a dit que euh, le public serait essentiellement composé d'étudiants hyper brillants et que je pouvais vraiment attaquer assez, euh, assez haut niveau avec la physique quantique. Je vais quand même supposer que vous ne savez rien. Donc il faut me pardonner pour tous ceux qui sont des pros de la fonction d'onde et de l'équation de Schrödinger. Je vais imaginer que vous êtes absolument nuls en physique quantique et repartir de zéro. Comme ça, s'il y en a parmi vous qui ne sont pas au point en physique quantique, vous ne serez pas perdus. Hum, Qu'est-ce que c'est que ce truc de suprématie quantique dont on a parlé dans l'actualité En fait, c'est une histoire qui remonte à un certain temps. Dès les années 2000, on commençait à parler d'ordinateurs quantiques dans les labos. Et puis, ça a commencé à arriver dans les médias, je dirais, années 2010-2020, milieu des années 2010-2020. Euh, par exemple, cette couverture que j'adore du Time, couverture du Time, hein, quand même. On est en 2014, alors ça dit en français, je vais vous le traduire en français, ça dit, euh, ça promet de résoudre les problèmes, certains des problèmes de l'humanité les plus complexes. Euh, C'est soutenu par Jeff Bezos, quand même, hein, Amazon, la NASA et la CIA. Chacun coûte, alors combien ils ont mis Je ne sais pas, un gros chiffre. 10 millions, ça ne semble pas énorme en fait, euh, de dollars, hein. et ça marche à... Alors là c'est des Fahrenheit, donc je ne sais pas ce que c'est, donc ça doit marcher à quelques degrés du zéro absolu, hein, moins de 270 degrés et quelques du zéro absolu, et personne ne comprend comment ça marche. La ma... Alors là, des Infinity Machines, je ne sais pas où ils ont été sortir ce truc-là, la machine infinie, et puis on vous dessine en dessous un petit machin un peu décevant, qui est une tronche de microprocesseur, en gros. Là on est en 2014, et puis alors les titres évoluent, alors je vous en passe juste quelques-uns pour le plaisir. Slate en 2018, faut-il croire à l'ordinateur quantique Si oui, pour quand Donc, Déjà on sent qu'il y a un petit problème avec l'ordinateur quantique et qu'on n'est pas trop sûr que ça marche un jour. Hein. Les ordinateurs quantiques vont-ils mettre les hackers au chômage Là on est en 2019. Remarquez toujours le point d'interrogation à la fin très prudent des journalistes qui se disent mais est-ce que ce truc va vraiment marcher un jour aucun État ne veut rater le coche de l'ordinateur quantique. Toujours en 2019, Uzbek et Erika. Et puis le monde également. Ordinateur quantique, nouvelle Eldorado, ou bulle spéculative. Donc j'espère que ce soir vous allez ressortir en sachant s'il faut investir ou pas en bourse sur l'ordinateur quantique. Voilà. Et puis on arrive le 23 octobre, le 23 octobre dernier, vous en avez peut-être entendu parler, ça a fait les titres. Le monde, toujours, Google annonce une percée majeure dans le calcul quantique. Soudain, Google arrive là-dedans, on ne sait pas d'où comment. Et puis ça enchaîne, alors là, c'était partout dans le monde entier, je vous mets quelques couvertures françaises, course à l'ordinateur quantique, Google confirme enfin avoir, anti... avoir atteint pardon, la suprématie, IBM réfute. Donc déjà, il y a une bagarre, IBM dit non, non, Google dit mais si, je vous assure, bon, c'est officiel, Google atteint la suprématie quantique. Après, on a les mêmes choses en anglais, hein, évidemment, j'ai juste mis ça pour faire chic. Hein. Euh, ah là, c'est plus intéressant. Ils disent que Google prétend que son ordinateur quantique peut faire l'impossible en 200 secondes, hein, en 3 minutes. Bon, qu'est-ce qu'il fait en 200 secondes Et puis ça continue, ça continue. Alors tout ça, en fait, fait référence à un article qui est dans la revue Nature. La revue Nature fait d'ailleurs sa couverture avec ça. Alors il y a des gens qui ont dit, oh là là, Google, ils font de la pub dans Nature et machin. Non, non, l'article, c'est du vrai article scientifique. Hein. Si on va voir dedans, c'est un article qui fait 7 pages, qui est signé par 60 auteurs. Hein. Ils mettent en annexe méthode euh, complémentaire 60 pages, ça rigole pas. Hein. L'article, moi je l'ai lu, ça ne rigole pas. Et alors, dans cet article, la seule chose à regarder pour l'instant, c'est l'avant-dernière page, celle-ci. Et regardez la figure, un peu effrayante. Hein. Euh, et alors, il y a un seul endroit à regarder dans cette figure, c'est là. Vous le voyez, ce point Ici, complètement euh, en haut à droite. Alors là, ce qu'ils ont fait dans ce calcul, je vous le réexpliquerai un petit peu après, mais ils ont calculé un truc. Voilà, on va le dire comme ça. Ils ont calculé un truc. Ils vous disent le temps qu'ils ont mis à faire le calcul. Et en gros, là, ils ont mis 200 secondes. Pour faire ce calcul, hein, c'est écrit là. Regardez, 200 secondes. 3 minutes. Et au-dessus, ils mettent l'estimation d'après eux que mettrait le meilleur ordinateur au monde normal à faire le même calcul. 10 000 ans. 10 000 ans. Donc ils disent voilà, on a fait un calcul en 200 secondes avec notre ordinateur que les meilleurs ordinateurs de, Pardon, de Google, d'IBM ou de qui que ce soit mettraient 10 000 ans à faire en se basant sur l'informatique classique. On a donc atteint la suprématie quantique. La suprématie quantique, ça avait été défini par les gens du domaine comme le moment où quelqu'un arriverait avec un ordinateur quantique à faire un truc qu'on n'arriverait jamais à faire avec un ordinateur normal, où vraiment il nous faudrait un temps infini. Et donc Google dit, ça y est, on y est arrivé. Et là, euh, les médias se sont dit, waouh, mais ça y est, alors on peut tout faire avec l'ordinateur quantique, la machine infinie, ça y est, on l'a. Qu'est-ce qu'on va faire avec Bon là, ça a été un petit peu décevant. Et en particulier ce calcul, vous allez voir, il y a un calcul qui ne sert absolument à rien. Donc c'est assez remarquable, mais qui leur a permis d'atteindre la suprématie quantique. Alors on peut s'en moquer, on peut rigoler. IBM a dit mais non, en fait c'est un calcul qui prendrait trois ans si on le faisait intelligemment. Google a dit ben, vous avez qu'à le faire et on va voir, etc. Ce n'est pas très intéressant comme débat. Ce qui a d'intéressant, il me semble, c'est quelle science se cache derrière, quel calcul ils ont réellement fait. Est-ce que c'est un calcul intéressant Est-ce que la machine elle-même est intéressante Et si on fait tourner cette machine sur d'autres calculs, est-ce qu'on va arriver à faire des choses originales ou pas ou est-ce que c'est juste un exploit de Google qui fait la une mais qui n'a pas grand intérêt Et c'est à ça que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Donc l'ordinateur quantique, plan de l'exposé, comment ça marche, à quoi ça sert et c'est pour quand. Voilà. Et je vais le faire dans l'ordre hein, parce qu'il faut, vous allez voir, que vous compreniez comment ça marche pour comprendre ensuite si on peut vraiment dire pour quand ça sera. Et là, la réponse, c'est mais ça y est, pourquoi il dit c'est pour quand On en a déjà un qu'on a vu marcher. Alors, je reprécise, c'est pour quand que ça servira à quelque chose Voilà, c'est ça la question que je vais essayer de me poser. Et donc c'est parti, donc on va déjà se demander comment ça marche, et là on n'a pas le choix, vu que ça s'appelle ordinateur quantique, il va falloir parler un petit peu de physique quantique. Alors, il se trouve que déjà les ordinateurs normaux, cet ordinateur-là, il fonctionne avec de la physique quantique, il hein, n'y a aucun problème. Si vous allez à l'intérieur d'un ordinateur classique, il y a un microprocesseur, hein, et comment ça marche, hein, c'est des petits transistors les uns à côté des autres, il y en a quelques centaines de millions dans un microprocesseur comme cet ordinateur-là, hein, presque un milliard. Et ces petits transistors en gros manipulent des zéros et des 1. Alors, ils vont faire ça avec des tensions électriques, 0 volts, 5 volts, puis ils vont les manipuler avec des portes logiques. Et avec ça, on va tout transformer en 0 et en 1. On fait faire le calcul, puis on ressort tout. Et vous avez vos jeux vidéo préférés, votre Netflix, votre traitement de texte, votre Mathematica, etc. Et ça, c'est un ordinateur classique. Alors, pourquoi est-ce que moi je dis qu'il est quantique quand même C'est parce que ces transistors-là sont des inventions de la physique quantique. C'est les physiciens de la physique quantique qui, dans les années 50, à la sortie de la guerre, ont réussi à inventer ces petits objets. On les utilise et ils ont un comportement classique, mais la façon dont ils marchent en fait utilise la physique quantique et utilise en particulier des astuces pour manipuler les électrons. On va parler de trous, d'électrons, de dopage, de semi-conducteurs et toute une artillerie inventée par la physique quantique. Mais ce n'est pas ça dont on va parler aujourd'hui. Nous, on va parler d'un ordinateur qui marche en faisant des calculs quantiques. Et donc, il va falloir comprendre ce que ça veut dire quantique. Donc, je vais vous faire une sorte de, de, de résumé, de digest de la quantique en 10 minutes à peu près ou un quart d'heure. Et en vous expliquant les concepts clés pour l'ordinateur quantique. Donc je jette à la poubelle tous les autres concepts qui ne m'intéressent pas dans le cadre de cet exposé. Je vise vraiment les concepts clés. Alors, Manque de c'est quand même les concepts les plus compliqués et les plus importants auxquels on va avoir affaire, parce qu'il y a un peu tout dans l'ordinateur quantique à la fois ou presque. Il va nous falloir en particulier quatre concepts pour comprendre quelque chose à l'ordinateur quantique. Et donc on y va. Concept numéro 1. Vous avez vu, j'ai fait ça bien. Hein Concept numéro 1. La fonction d'onde et la mesure. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là Voilà, en physique quantique, si je regarde un objet. On va imaginer que ce stylo est quantique. Tant qu'on le laisse tranquille, et je préciserai après ce que ça veut dire laisser tranquille, mais tant qu'on le laisse tranquille, il se comporte comme une onde. On va parler de fonction d'onde parce que ce n'est pas une vraie onde, c'est une sorte d'onde. J'essaie d'être un peu flou sur les termes que j'emploie. Et vous allez voir, elle a une caractéristique assez particulière, mais pour l'instant, on va imaginer que c'est une onde, d un peu comme une vague dans la mer, et qui va avoir un comportement d'onde. Alors la nuance près qu'elle ne suit pas les équations d'onde habituelles, elle suit l'équation de Schrödinger. Qui est une forme adaptée on va dire, à la physique quantique de ce que serait une onde à la physique classique, mais qui dit comment cette onde se comporte et comment elle évolue. Exactement comme une vague dans la mer. Si par exemple je lui donne je sais pas, un petit coup électrique avec une tension électrique, l'équation de Schrödinger me dit ce qu'elle devient et comment elle avance. Ça, c'est la fonction d'onde. Mais dès qu'on parle de fonction d'onde, on se dit, bon, bah ok, c'est une vague, c'est pas si mystérieux que ça, la physique quantique. Le mystère arrive quand on essaye de la mesurer. Parce que quand on essaye de la mesurer, il se passe un truc étrange. Ça, c'est juste pour faire chic, hein, c'est l'écriture mathématique de la fonction d'onde. Quand on essaie de la mesurer, il se passe ça. Alors là, je vous le fais de façon pas mathématique, hein, donc euh, là, tous les preuves, fermez les yeux, c'est le bon moment. Euh... Oh bah oui, non, je les zappais. Donc là, c'est la fonction d'onde de milieu, vous la voyez en rouge. Et à chaque fois qu'on essaie de la mesurer, elle se réduit en un point. Et à chaque fois, le point, il arrive à un endroit différent, mais dans la pyramide. Vous avez remarqué Jamais en dehors. Donc là, ce qu'on est en train de dire dans cette vidéo, de façon euh, un petit peu imagée, un peu métaphorique, parce que leur faire une fonction d'onde en pyramide comme ça, vous pouvez toujours vous accrocher. C'est ça, c'est que votre fonction d'onde, si elle a cette forme-là, et que vous la mesurez, pouf, vous avez un point. Évidemment, si vous, quand vous la mesurez, vous avez un point, vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'on pouvait savoir que c'était une onde avant qu'on la mesure, vu que par définition, quand on la mesure, c'est un point. Alors vous refaites le truc une deuxième fois, donc vous avez votre onde, attention, je réessaye une deuxième fois, pouf, c'est un point, mais il n'est pas au même endroit que le premier. Et à chaque fois, on a l'impression que c'est aléatoire, que l'onde, elle tire au sort où se trouve le point, et que ce tirage au sort, alors il n'est pas complètement aléatoire, ça a plus de chances d'être au milieu que sur les bords. Et si on le dit de façon savante, c'est juste relié à la taille de cette onde, à son module carré, qui vous dit en gros la chance que vous avez de retrouver le point là ou là ou là. Donc sur les bords de l'onde, quand l'onde s'évanouit, souvent elle s'évanouit exponentiellement, il n'y a plus rien. Et au centre, vous avez de bonnes chances de l'avoir. Hein, 9 fois sur 10, elle va être au milieu. Donc si vous dessinez le profil de l'onde et puis que vous faites l'expérience, je ne sais pas, 500 fois, bah vous allez avoir 500 points comme ça. Vous avez vu que les points, finalement, ils dessinent un peu la densité de l'onde, ils dessinent son profil. Si je regarde le nombre de points à chaque fois, je vais retrouver en fait le carré de l'onde. Donc là, la bonne question à poser quand on est physicien, mais comment on peut savoir que c'était vraiment une onde tant qu'on ne l'a pas mesurée Puisque si, quand on la mesure, ça devient un point. Enfin, vous avez compris le truc, Donc là, il y a plein d'expériences pour le montrer. Il y a des expériences très classiques, il y a des expériences plus modernes. Mais la grande expérience qui permet de montrer ça, c'est la dualité de particules avec... Dis-moi. Je baisse d'un poil le son. Parce... Ah oui, je parle trop fort. Non, pas... Mais tu me dis de parler moins fort, je parle moins fort. Hein. C'est que ça peut être déréglé. Hein. D'accord, vous m'entendez toujours euh, pendant ce temps, il y a l'animation qui continue. Donc voilà ce qui se passe dans le monde quantique et voilà comment prouver qu'une particule est en fait une onde tant qu'on ne la mesure pas. Alors l'astuce en gros, c'est de lui faire prendre deux chemins. C'est toujours le même truc avec des ondes. Hein. Si vous voulez savoir qu'un objet est une onde, faites-lui prendre deux chemins et recombinez. Hein, c'est une astuce parce que vous voyez, vous avez l'onde au départ, vous lui faites prendre deux chemins, donc elle prend ses deux chemins, il lui arrive un truc là, un truc là, puis après vous recombinez ici, et elle va se remélanger. Et au moment où elle se remélange, les hauts vont s'ajouter avec les hauts, mais un haut et un bas vont s'annuler. Et donc, vous allez avoir des endroits où elle va être grande et des endroits où elle ne vaudra rien du tout, ce qu'on appelle des interférences. Et donc, ça va être un truc que va pouvoir faire l'onde, alors que si c'était une particule, ben, elle choisirait si elle passait là ou là, et vous auriez jamais ça au bout. Donc, on fait ça avec l'optique pour voir que la lumière, par exemple, c'est une onde. On peut faire ça avec des ondes acoustiques. Si vous le faites en physique quantique, ça marche exactement pareil, mais vous allez voir pourquoi est-ce qu'à la fin on voit un point. Ben, l'onde, regardez, là, je lui fais passer par deux chemins, deux trous. Chaque petit trou émet une petite vague, les deux vagues se superposent l'une à l'autre, et puis arrivé sur l'écran, ça se réduit en un point. Et donc vous allez me dire, mais comment on sait que ça s'est passé comme ça avant ben, Il suffit de le faire plein de fois. Et si vous le faites plein de fois, vous allez commencer à voir apparaître les creux de la vague et ses bosses. Vous allez voir où elle a interféré positivement ou destructivement. Et donc si vous le faites un million de fois, à la fin, vous voyez se dessiner le profil de la vague. Mais si vous le faites qu'une fois, vous êtes incapable de dire qu'il y a eu dualité. Vous pouvez dire que l'objet s'est comporté comme une onde avant qu'on le mesure, seulement si vous faites l'expérience un grand nombre de fois et que vous voyez se dessiner ces alternances. Voilà. Alors, quand même, je vais vous montrer des choses un peu plus modernes. Donc, je vais vous montrer le nec plus ultra de cette expérience. Là, cette expérience-là, on sait la faire depuis les années 20 à peu près. Davison et Germer sont les premiers à la faire, mais depuis, on a fait mieux. On a réussi à le faire avec un électron. C'était quand même la classe. Hein. Un électron, c'était compliqué. C'est pas faire un électron, c'est le détecter à la fin. Donc, on a réussi à faire ça électron par électron. Après, on a réussi à faire ça neutron par neutron. Après, on a réussi à faire ça atome par atome. Ça, ça voulait dire que l'atome passait à travers les deux fentes à la fois. Hein. On s'est dit, allez, essayons mieux. Et puis il y a une équipe, une équipe autrichienne, qui a essayé de faire ça avec une molécule. Et ils ont pris une molécule qui a une forme de ballon de foot, qui fait 70 atomes de carbone. D'accord Une forme de fullerène, pas exactement la forme habituelle, mais une forme de fullerène, une espèce de ballon de rugby plutôt, comme ça. Ils l'ont envoyé, alors ça a été compliqué à faire comme manip, sur quelques mètres, à travers deux fentes. Ils ont regardé derrière, frange d'interférence. La molécule, 70 atomes de carbone, passait à travers les deux fentes à la fois. Ça, c'était en 98. Et puis 20 ans plus tard, la même équipe, qui sont obstinés, ont refait la même manip, mais avec une molécule plus grosse. Et donc je vais vous montrer le record du monde de la manip d'interférence, publié dans le journal Nature Physics par la même équipe. Le type qui avait fait ça 20 ans avant, c'est Marcus Arndt, ici. Je vous montre le résultat d'abord. Il a observé des interférences. Alors là, on ne les voit pas comme avant, mais regardez, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Vous allez me dire, oh là là, mais là, elle est pourrie, cette courbe-là. Moi, je ferais ça en TP, ça ne rigolerait pas avec les profs. Elle n'est pas simple à faire cette courbe-là. Elle n'est vraiment pas simple. Le dispositif pour la faire est hyper compliqué, mais en gros c'est des fentes Jung, hein. on va le dire vite, mais c'est des réseaux optiques en réalité. Il y a des manières de détecter, etc. Elle n'est pas simple à faire, hein. mais ils ont quand même réussi à la faire. Et j'espère que vous êtes convaincus en voyant cette image que oui, il y a des hauts et des bas. Donc l'objet qui a fait ça a dû passer par les deux fentes à la fois. Et maintenant je vous montre l'objet. Vous avez vu, je montre le truc à l'envers, hein. c'est un peu lourd. Voilà la molécule. Et alors là, vous faites pas avoir. Vous allez vous dire c'est une grosse molécule. Regardez bien, chaque lettre R c'est C10H4F17S c'est une molécule qui fait 2000 atomes là ça commence à être de la vraie molécule quoi, hein. là, ça rigole moins hein. et donc ils ont réussi à prendre cet objet là qui fait 20 000 masses atomiques hein, 2000 atomes à l'envoyer sur un dispositif de fente et à avoir des interférences la classe hein. voilà ça sert à rien mais c'est tellement la classe donc voilà, ça c'est le NEC plus ultra, le plus récent, le record du monde de euh, la plus belle manip d'interférence quantique. J'enchaîne, deuxième concept. Ah oui, non, avant, à chaque fois, j'essaie de vous montrer pourquoi c'est quand même bizarre. Parce qu'au bout d'un moment, on s'habitue. Enfin, moi, à force de faire des exprès sur la quantique, au bout d'un moment, je me dis, mais bon, c'est pas si spectaculaire que ça, quoi. C'est quand même hyper spectaculaire. Ce qu'il y a d'hyper spectaculaire, c'est que ça remet en cause le concept de causalité. La causalité, c'est quand même un truc qu'on aime bien dans l'histoire de l'humanité, enfin, un truc dont on a l'habitude, nous, en tant qu'humains, c'est à chaque fois que vous avez un truc, c'est dû à autre chose. Hein. Si je fais ça, le stylo, il tombe parce que je l'ai lâché. D'accord C'est ça, la causalité. Eh hein. bien, cette manip-là remet en cause la causalité. Elle remet en cause la causalité parce qu'à un moment donné, au moment de la mesure, vous n'êtes capa pas capable de prévoir où arrive le point. Il tire au sort. Donc, je ne suis pas capable de faire une espèce de chaîne causale en disant tel truc a fait tel truc, qui a fait tel truc, qui fait que le point, il arrive là à la fin. À un moment donné, je ne sais plus. Donc, ça remet vraiment en cause un des trucs profonds attachés à l'histoire de la science. Ça remet en cause aussi cette idée de déterminisme. Chaque effet a une cause et je peux les déterminer, puis je peux faire mon calcul et mon calcul. Ben non, là, à un moment donné, il y a une probabilité qui se glisse dans l'histoire et c'est compliqué. Il y a plein de débats là-dessus, sur lesquels je ne rentrerai absolument pas aujourd'hui. Deuxième concept, on enchaîne, la quantification. Ok, donc maintenant, vous avez votre stylo qui est une onde, et là, vous allez le mettre dans une boîte les physiciens adorent mettre les trucs dans des boîtes. Alors pas que les physiciens, les musiciens aussi. Et Là, attention, vous allez avoir le moment musical de la soirée. On a testé le son avant et vraiment ça vaut le coup. Vous êtes prêts Attention, là, je vais vous montrer des ondes enfermées dans une boîte. Je avec un smartphone. Regardez bien la forme des cordes. Qu'est-ce qui se passe ici ben, il joue les cordes d'une guitare, ça crée une onde acoustique qui fait vibrer. Et puis ça arrive dans l'espèce de boîte en dessous de la guitare et là ça rebondit sur les parois de la guitare et ça va rebondir et puis ça va revenir dans l'autre sens et puis ça va interférer et à la fin vous n'aurez droit qu'à certaines notes la guitare va sélectionner certains modes et je vais vous les montrer ces modes alors j'ai pas de vraie guitare avec moi mais il y a des physiciens qui ont fait la manip ils ont pris une guitare et ils ont fait une manip d'interférence optique pour voir en gros comment l'indice varie et comment les ondes acoustiques et la pression varient dans la guitare n'est pas du tout de la quantique hein. et voilà ce que c'est une guitare quand on joue une note et quand on joue une deuxième note et quand on joue une troisième note je ne sais pas vous dire quelle note il joue à chaque fois. C'est beau, hein Donc là, ce que vous voyez, c'est la forme de l'onde, telle qu'elle existe, et non stationnaire. Elle va faire comme ça au cours du temps, ou comme ça, ou euh, là, je ne sais plus le faire avec mes mains, enfin, vous voyez. Et chacune de ces ondes est une note. Et bien en quantique, c'est pareil. Hein. Vous mettez un électron dans une boîte, regardez ce qui va lui arriver. Toujours une petite animation. On va faire une boîte simple à deux parois. On met l'électron dedans, ben, c'est une onde. Eh bien, elle n'a droit qu'à certaines formes, comme les ondes dans la guitare. Alors, ça, c'est la forme la plus simple. Vous pouvez faire une forme à deux bosses, une forme à trois bosses, une forme à quatre bosses, etc. Vous ne pouvez pas faire une bosse et demie, vous ne pouvez pas faire une bosse un quart. Donc, il y a un truc très discontinu, on appelle ça la quantification. Vous allez passer brutalement d'une onde à une autre onde, comme dans une guitare ou comme dans un piano, on ne peut pas faire des sortes de glissando. Enfin, on peut peut-être, mais on va imaginer qu'on ne peut pas. Et chacune de ces ondes aura une énergie donnée. Et donc, vos énergies, ça va être comme des paliers d'un escalier. C'est pas ce qu'on a dans la physique normale. Dans la physique normale, si je regarde l'énergie cinétique et potentielle de ce stylo, c'est continue leur variation. Ben là, c'est des espèces de paliers très soudains et très brusques. Et c'est troublant. Ça a beaucoup troublé les physiciens, Alors non seulement parce que c'est discontinu, ça déjà, on n'en avait pas l'habitude, on s'est dit, mais à la limite, avec les ondes, on a ça. Mais surtout, ça voulait dire ensuite que si vous avez votre électron comme ça, puis que vous l'excitez, eh ben, il ne pourra que sauter brutalement d'un palier à l'autre. On appelle ça des sauts quantiques. Il n'est pas capable d'être entre deux paliers. Alors ça, il y avait des gens qui n'étaient pas du tout d'accord. Schrödinger disait c'est impossible. Alors là vraiment le truc du saut quantique en plus aléatoire, le truc il arrive, on ne sait pas quand il arrive et tout. Les gens, je ne sais pas, la particule tire au sort, si elle saute ou si elle saute pas, je n'y crois pas. Les 5, ont réussi à le mesurer. Donc ça veut dire ça. Hein. Alors je vous montre la mesure. C'est une mesure assez récente. Alors vous n'étiez pas né, mais assez récente pour moi en tous les cas. À l'échelle de la quantique, c'est récent, hein, 1986. Il a fallu attendre 1986 pour les mesurer ces sauts quantiques. C'est une très jolie manip. Ils ont utilisé du barium. Le barium a trois niveaux quantiques, donc euh, oubliez tous les détails, imaginez qu'il y a trois marches d'escalier. Et selon la façon dont vous l'éclairez, soit il va monter à la première marche, soit à la deuxième marche. Et sinon, il a la marche du bas. Okay donc, soit il monte en E2, soit en E3. Alors, s'il monte en E2, il redescend aussitôt et il crache du verre. Donc, il fluore. Okay donc, ça va éclairer. Vous allez voir la lumière sortir de votre atome de barium. Si par contre, il monte en E3, alors il se passe le même truc, sauf que E3 est ce qu'on appelle un état métastable, ça redescend pas, ça attend quelques temps avant de redescendre. Des secondes, des dizaines de millisecondes, puis au bout de quelques millisecondes, ça redescend, ça crache un truc bleu, mais vu que ça ne le fait pas souvent, bah, vous voyez rien vous en fait. Il faut vraiment que ça descende et que ça remonte tout le temps pour que vous voyiez du vert. Donc à la fin vous voyez du vert et sinon vous voyez rien. Et parfois peut-être un petit spot de bleu. Et donc ils sont juste à mesurer, à faire ça, à balancer les deux lasers sur les atomes et à mesurer quand est-ce qu'ils voyaient du vert et quand est-ce qu'ils n'en voyaient pas. Et voilà la réponse. Vous avez en direct des sauts quantiques. Regardez, vert, 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 vert. rien. Il est en haut sur le bleu. Vert, 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 rien. Il est à nouveau en haut sur le bleu. Et c'est complètement aléatoire. Ils ont même mesuré cet aléatoire et la statistique de cet aléatoire. Donc la particule aléatoirement choisit de sauter sur le 2 ou sur le 3. Voilà, et elle tire véritablement au sort. Les sauts quantiques. Vous tenez le coup On a déjà fait la moitié. <coughs> D'accord. Deuxième moitié, bon, elle est un peu plus dure la moitié suivante. Concept numéro 3. Ah non, celui-là il est hyper facile. La superposition d'état. Si vous acceptez mon truc, L'idée qu'on a droit qu'à certains paliers, certaines énergies, et qu'à chaque énergie on a sa forme, son onde. La physique quantique vous dit à partir du moment où c'est des ondes, mathématiquement, si les ondes sont solutions de l'équation, il y a une propriété mathématique assez simple qui dit que si j'en prends deux et que je les additionne, ça sera aussi une solution. Et même si j'en prends un tiers d'une et deux tiers de l'autre et que je les additionne, ça sera aussi une solution. Je prends n'importe quelle combinaison linéaire de l'une et de l'autre, je les additionne, ça sera une solution. Et là les physiciens disent si c'est une solution, ça peut exister. Donc, ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on pourrait avoir un état 1, vous vous souvenez de la vague, hein état 1, ou bien un état 2, ou bien, là vous allez voir la limite de mes mains, les deux à la fois. Le point clé, j'insiste sur ce point parce que les gens se font parfois avoir, c'est que ce n'est pas la moyenne. Vous ne faites pas la moyenne des deux ondes, vous ne faites pas euh, psi 1 plus psi 2 divisé par 2, et puis pof, je suis au milieu. Vous êtes les deux à la fois. Les deux superposés. Alors on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dément Alors là, j'ai une démonstration physique en direct que c'est possible. Vous êtes prêts Donc je vais vous demander à trois de chanter la note qui vous passe par la tête. Vous êtes prêts Un, deux, trois. Ah. Vous avez vu comme ça sonne faux Ça sonne faux parce que nos oreilles ne font pas la moyenne. Si vous êtes au concert, c'est hyper impressionnant. Hein Moi, j'ai été à un concert samedi soir. Alors je sais bien, avec le coronavirus et tout, j'ai pas... été à un concert, à la Philharmonie. Il y avait des, 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 des voilà, il y avait violon, machin, truc et tout. J'étais capable à l'oreille de distinguer le violon du piano euh, de la clarinette. Donc les ondes, à l'évidence, partent de tous ces instruments. Elles arrivent à mon oreille, mais je n'en fais pas la moyenne. J'entends la superposition de ces ondes-là. Ce n'est pas un truc magique, la superposition des ondes. Puis même pour les gens qui ont l'habitude de la mer, il y a souvent des grosses vagues avec des toutes petites vagues par-dessus qui sont portées par la grosse vague en temps fort, etc. C'est etc. un truc classique. Il y a des chanteurs tibétains qui sont capables de faire... Je ne sais pas comment ils font... Sont capables, non, euh, de, 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 de mongoliques sont capables de superposer deux sons. Ils font un son avec leur larynx, je crois, et après avec la bouche, ils arrivent à faire avec leur cavité un deuxième son. On appelle ça des sons diphoniques. Et ils sont capables de faire deux sons à la fois. Il y a des chanteurs sardes aussi qui savent faire ça. Donc c'est un vieux truc de la physique, la superposition d'ondes. Sauf que là, là, ça a une signification vraiment étrange. Hein. Parce que vu que l'onde, à la fin, c'est quand même où oui, est la particule, ça voudrait dire qu'une particule, à un moment donné, peut être à deux endroits à la fois, par exemple. Et ça, c'est un peu embêtant et un peu troublant, mais c'est vrai. Euh, donc un exemple. Non, je ne le montre pas. Alors là, Schrödinger est arrivé et a dit, bon, maintenant on arrête les bêtises, c'est quand même vraiment impossible votre truc là, de superposition d'état. Déjà, les sauts quantiques, j'avais du mal à l'accepter, mais superposition d'état, on s'arrête tout de suite. Hein. Et Schrödinger dit, je vais vous proposer une expérience de pensée, donc ça voulait dire, ne la faites pas en laboratoire, hein, ne tuez pas des chats. Et cette expérience de pensée va vous montrer à quel point votre truc est absurde et à quel point ça n'est pas possible. Et voilà l'expérience que propose Schrödinger. Je vais vous la montrer pour vous montrer comment, en fait, il n'y a aucun problème avec l'expérience du chat Schrödinger. Parce que souvent, on dit Ah oh là là, chat Schrödinger, quel mystère Vous allez voir qu'il n'y a aucun mystère. Donc voilà le chat. Alors, je sais plus, Quand on m'a introduit, on a dit que je faisais plein de trucs en vulgarisation avec des designers et tout. Là, j'ai tout fait moi-même, donc c'est une catastrophe. Donc le chat, il est dans une boîte enfermée. Déjà, c'est pas sympa, mais il continue de sourire il est vivant. On lui met une fiole de poison à côté, mais fermée. Pour l'instant, tout va bien. On lui met un atome ou un électron dans un certain état à côté. Et là, on est vraiment diabolique. On invente une machine diabolique voilà, euh, qui relie l'électron à la fiole de poison. Et alors là, deux cas de figure. Soit l'électron est dans l'état 1, si 1, vous vous souvenez, et tout se passe bien. Enfin, il se passe rien, en fait. Donc le chat est content. Soit l'électron est dans l'état 2. Et alors là, elle est bien foutue, Ma machine, elle détecte l'état de l'électron. Facile pour elle. Soudain, et dès qu'il voit qu'il est comme ça, elle casse la fiole, le poison se répand et le chat meurt. Et donc Schrödinger dit quand vous me dites qu'un électron peut être superposé dans deux états, est-ce que ça veut dire que si je le mets dans cette machine-là, eh ben, j'ai les deux à la fois. Le chat est à la fois mort et vivant. Alors, le bon sens commun nous fait dire que ben non, non un chat à la fois mort et vivant ce n'est pas possible. Et Schrödinger dit bah ben, alors vous voyez bien que c'est donc pas possible d'avoir ces électrons dans deux états. Alors en fait on a résolu ce paradoxe-là quand même. De la façon suivante. En fait, l'astuce, c'est de bien regarder ce qui se passe au cours du temps. De faire vraiment la chronologie. Hein. On va faire comme les enquêteurs qui remontent l'enquête en disant, bah alors le criminel est arrivé, qu'est-ce qu'il a tué, machin, etc. Et donc au début, vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir prendre votre électron dans deux états et l'accrocher à la machine diabolique, d'accord Et là, on va zoomer sur ce qui se passe. Donc là, j'ai fait un super effet spécial. Pareil, j'avais pas de designer, donc j'ai fait l'effet spécial moi-même. C'est un zoom. <laughs> ouais, ouais, non, c'est un peu laborieux. Euh, c'est pour vous montrer qu'à la fin de ma machine, il y a plein d'atomes dedans. D'accord, là un petit bout de machine plein d'atomes. Donc en fait quand j'approche l'électron d'une machine ça ne veut rien dire, ça veut juste dire que je le branche sur plein d'atomes, d'accord Et donc il va interagir avec ces atomes. Et alors là il va se passer un phénomène absolument remarquable qui s'appelle la décohérence. Si on l'oblige à interagir avec un atome tout va bien, il interagit et peut rester dans deux états à la fois. Quand je dis qu'il interagit le vrai mot c'est intriqué, il va s'intriquer avec les atomes, il va se mettre dans une espèce de mélange avec eux et tout va bien se passer avec un atome. Avec deux atomes ça commence à être délicat mais il y arrive quand même. Son problème à l'électron c'est qu'à chaque fois qu'il s'accroche à un atome, il pourrait s'en sortir, mais cet atome-là n'est pas accordé avec lui, qui n'est pas accordé avec lui, qui n'est pas accordé avec lui. Eux, ils ne se parlent pas bien entre eux. Donc, ils n'ont pas la même phase, par exemple. Et donc, l'électron, il est infoutu au bout d'un moment d'arriver à s'accorder avec tous les atomes. Vous voyez, comme un musicien qui essaierait de s'accorder avec plein d'autres musiciens, chacun jouant une note différente. Et donc, au bout d'un moment, c'est la cacophonie, et à force d'essayer de s'accrocher avec tous les atomes, il n'y arrive plus, et il peut plus garder son état, et il va arrêter d'être superposé, et il va devoir choisir un ou deux. Ça s'appelle la décohérence. Et ça arrive ou pas Ça y est. Et il choisit aléatoirement un ou deux. Le fait de le forcer d'interagir avec plein d'atomes le fait choisir. Un peu comme la mesure fait choisir un point particulier. En fait, on est en train de faire une mesure en faisant ça. Et donc, si je fais un zoom arrière, regardez bien. Maintenant, c'est Colombo qui. Non, vous ne connaissez pas, vous, Colombo. C'est CSI expert, je ne sais pas quoi, enfin bref. Si je fais le zoom arrière, ça y est, en fait, l'électron, il a choisi. Dès l'instant où on a branché l'électron sur la machine, il a choisi un des deux états. Il y a eu des cohérences. Et une fois qu'il a choisi un des deux, il n'y a plus aucun mystère. Hein. Le destin du chat est scellé. Il est soit mort, soit vivant. Donc, premier cas de figure, il était vivant. Deuxième cas de figure, j'accroche. À ce moment-là, ça devient deux. Ça ouvre le poison et il meurt. Le chat n'a jamais été à la fois mort et vivant. Parce qu'entre le chat et l'électron, il y avait à un moment donné une machine avec beaucoup d'atomes. Donc, j'ai obligé mon objet quantique à interagir avec un objet macroscopique, un objet fait de plein d'atomes. On pourrait faire ça aussi avec plein de lumière ou avec plein d'électrons avec plein de molécules. Et cette interaction avec plein d'autres objets l'oblige à choisir. On appelle ça la décohérence. Vous allez voir que c'est hyper important pour savoir s'il faut investir sur un ordinateur quantique ou pas. D'accord Donc souvenez-vous bien de ce truc-là. Alors la décohérence, on peut la mesurer. Par exemple, une des très jolies mesures faites, c'est la mesure dans le groupe de Serge Aroche, hein, ici par Michel Brune, dans les, les fins des années 90, où ils ont réussi à mesurer cet effet-là. Alors c'est un effet qui décroît au cours du temps. Donc là, c'est un petit peu le temps que met l'électron à choisir quand je le branche sur des atomes. Alors vous allez me dire, bah, c'est bon, ça veut dire que le chat il est mort et vivant pendant 160 microsecondes, ce qui est déjà pas mal. Alors non, parce que là le chat il faisait en gros 10 atomes, enfin ou 10 photons. Mais dès que vous faites grossir l'objet, cette espèce d'objet ou de chat ou de ce que vous voulez, dès que vous le faites grossir, au-delà de ça croit ça décroît exponentiellement avec la taille, et au-delà de j'en sais rien, 1000, 10 000, 100 000 atomes, c'est plus petit que n'importe quel temps que vous savez mesurer. Donc c'est seulement si tout était composé de quelques atomes qu'on pourrait avoir un truc dans deux états à la fois, mais dès qu'on a un gros objet quelque part, un objet à notre échelle... Ça s'arrête. Alors je vous montre quand même, pareil, j'essaie à chaque fois de montrer une recherche récente, je vous montre un article de chercheurs qui ont réussi à tricher un petit peu avec le chat de Schrödinger. Donc ils ont réussi à faire un chat assez gros. Alors c'est le drame de cette physique-là, c'est qu'ils continuent à appeler ça des chats de Schrödinger. Et donc tout le monde s'est dit, mais oui, le chat, il n'y a pas de chat en fait. Dès qu'on a un machin dans deux états, maintenant on appelle ça un chat de Schrödinger. Vous voyez le drame en termes de vulgarisation Je viens de vous expliquer que ça ne pouvait pas exister un chat à la fois mort et vivant, et maintenant je vous propose de voir un chat de alors, ils l'ont pas mis quand même dans le titre de l'article. Et alors ces trois chercheurs, regardez bien celui qui est à droite et souvenez-vous-en pour après, euh, travaillent à l'université de Californie, Santa Barbara, et ils vont essayer dans le monde des nanotechnologies de fabriquer un chat quantique, un petit peu gros, donc je devrais pas appelé un, chaque... un objet, un peu plus gros qu'un électron dans deux états à la fois. Et il se trouve qu'il y a des astuces pour faire ça. Et l'une d'entre elles, c'est de tout calmer. Il faut descendre à très basse température, il faut faire le vide, il faut faire le noir. Pour que l'objet quantique interagisse avec le moins de choses possible. Et cet objet-là, il va falloir le, contrer, le contrôler pardon, avec d'autres objets quantiques les plus purs possibles. Il se trouve qu'en l'occurrence, ça va être des supraconducteurs qui vont permettre de le contrôler. Je ne vous détaille pas du tout la manière, je vous montre le résultat. Donc le résultat, c'est ce circuit électrique auquel vous comprenez rien. Il faut regarder là, et là, il y a un petit machin. Regardez bien l'échelle, c'est 60 micromètres. On se dit, c'est petit. 60 micromètres, on le voit à l'œil nu. C'est l'épaisseur d'un cheveu. Donc c'est énorme, c'est énorme à l'échelle de la quantique, 60 micromètres. Souvenez-vous, un atome, c'est quoi C'est 2-3 angstroms, c'est 0,2 nanomètres. Et là, on a 60 micromètres, 60 000 nanomètres. On est 100 000 fois la taille d'un atome au moins. Et donc, ils font une petite balançoire. Vous la voyez, la petite balançoire là, Elle est comme ça, dans un petit plongeoir. Quoi. Et ils vont être capables, en le refroidissant énormément, de le calmer complètement et qu'il ne vibre plus du tout. Qu'il soit complètement au repos. Et puis après, ils vont essayer de l'exciter. Ils vont l'exciter avec un système électrique quantique hyper astucieux. Il va se mettre à vibrer. Et voilà la manip. Donc, euh, quand il vibre pas, il vibre pas, et quand il vibre, il vibre. Donc là, c'est vraiment naze. Hein. Alors, il vibre vite, parce qu'il est petit. Donc, il vibre à 6 gigahertz. Ils ont trouvé sa fréquence propre, hein, un peu comme une balançoire. Mais c'est une balançoire à 6 milliards de fois par seconde. D'accord Et voilà la mesure hein, qui monte dans l'article, un article en Science. Hein. Là, c'est quand il vibre pas, là, c'est quand il vibre. Donc, c'est naze, hein, c'est vraiment naze. Donc, c'est juste, ils arrivent à faire vibrer un machin à très basse température. Et là, ils vont jouer avec leur circuit électrique. Ils vont arriver à un moment donné à mettre le circuit électrique dans un état particulier. Et là, il va se passer ça, attention trucage. Hein. Ils vont voir le machin à la fois vibrer et ne pas vibrer. ils vont pas le voir avec leurs yeux. Ils vont être capables de faire des mesures de physique indirecte, on parle d'oscillation de Rabi, qui vont permettre de montrer qu'à un moment donné dans l'expérience, le truc vibre et ne vibre pas à la fois. Donc, ils ont inventé un chat de Schrödinger qui fait 60 micromètres. Mais il n'est pas vivant. Ça, c'est un point clé. C'est-à-dire qu'en voyant ça, on se dit mais faisons-le avec un chat. Alors, oui, mais il faut le refroidir, il faut le geler, il faut le mettre zéro absolu, sous vide dans le noir. Qui deviennent inertes. Et c'est important parce qu'il ne faut plus qu'il y ait la température. La température, ça vous tue tous ces effets immédiatement. Mais le nombre de particules, ben on peut faire beaucoup de particules en fait. On peut faire des objets assez gros. Et c'est ce que dit cette manip. Cette manip est absolument inutile, mais elle vous dit on sait faire un chat de Schrödinger, on sait faire une superposition d'état avec un objet finalement assez gros. Et vous allez voir à quel point elle va être importante ensuite pour l'ordinateur quantique, cette manip. Vous me suivez toujours Vous n'avez pas trop le choix, mais tout le monde est avec moi. Et on a presque fini avec la quantique, hein euh, donc ça ça remet en cause un autre concept auquel on est habitué, c'est l'unicité. Voilà, ce téléphone ici, dans un état donné, bah, il n'est pas à deux endroits à la fois. Et bah, là, à l'évidence, on ne dit pas ça. On dit qu'en quantique, un objet peut être superposé dans plusieurs états ou plusieurs énergies ou plusieurs positions. Tant qu'on ne le mesure pas. Dernier concept, c'est le pire mais je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, c'est l'intrication. Jusqu'à présent, je me suis intéressé à une molécule, un chat, un atome, un électron. Qu'est-ce qui se passe si j'en mets deux alors, il peut se passer plein de choses, mais si on les fait interagir de façon un peu délicate, pareil dans le vide, dans le noir, ou sans les faire interagir avec trop d'autres choses autour d'eux, et qu'ensuite, une fois qu'ils sont un peu mélangés, on les sépare, là, il va se passer un truc curieux. Il va se passer un truc curieux parce que quand vous les avez mélangés, ils ont partagé en quelque sorte leur fonction d'onde. Donc maintenant, quand ils se séparent, ben, ça fait une fonction d'onde à deux bosses, mais c'est une seule fonction d'onde. Donc maintenant, je les partage, voilà, je les sépare, mais c'est quand même une fonction d'onde à deux particules. D'accord donc ça, ça veut dire que si je mesure maintenant une de ces deux particules à un endroit donné, ben ça va avoir un effet sur celle-là, et l'effet va être instantané. C'est-à-dire qu'à distance, elle va sentir elle. Alors très concrètement, c'est moins fun quand on le présente comme ça. Imaginez deux détecteurs et vous allez avoir deux particules. Alors là, je vais choisir de mettre dessus ce qu'on appelle un spin, c'est un petit aimant. Donc on va imaginer qu'il y a une particule qui a un petit aimant vers le haut et une autre un petit aimant vers le bas, d'accord Et je les sépare. Alors vous allez voir, ça c'est absolument nul. Si je les sépare et que je les mesure, ben à droite je vais trouver un aimant vers le bas et à gauche un aimant vers le haut. Et ce n'est pas l'expérience la plus intéressante du monde. En fait, en physique quantique, voilà ce qui se passe quand vous faites cette expérience. Vous avez pris vos deux particules, vous avez cru qu'il y avait un spin sur l'autre et un autre spin sur l'autre, en fait non. Sur chaque spin, euh, sur chaque particule, il y a les deux spins à la fois, les deux directions, superposées. D'accord Un vers le haut, un vers le bas. Donc voilà, il y a un électron ici, il a un spin vers le haut, un spin vers le bas, enfin il a les deux à la fois, il ne sait pas choisir. Puis l'autre électron à côté, pareil, il sait pas choisir. Et vous les mettez ensemble et vous les séparez. Alors là, croyez-moi sur parole, quand vous les mettez ensemble, puis que vous les séparez, ils vont adopter une propriété très simple. C'est que si l'un a un spin comme ça, l'autre, il aura un spin comme ça. Et si c'est lui qui a un spin comme ça, lui aura un spin comme ça. C'est pas hyper incroyable. Hein. Sauf que dans cette expérience, ils ne choisissent pas. Regardez bien, ils se séparent, ils n'ont toujours pas choisi. Et c'est seulement quand je vais mesurer celui qui est d'un côté et que je trouve le spin vers le bas qu'à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, l'autre adopte instantanément un spin opposé. Et là, on peut se dire, mais comment vous savez Alors, il y a eu plein d'expériences, je n'ai pas le temps de les détailler, mais croyez-moi, on a réussi à le prouver. Et en particulier, une des astuces clés pour observer ça, c'est qu'ils n'aient pas le temps de s'envoyer des messages secrets. Parce que l'électron pourrait être vicieux, il part comme ça, il fait semblant qu'il est comme ça, puis dès qu'il a choisi ça, hop, il envoie discrétos une particule que vous, vous n'êtes pas capable de détecter, invisible, où il dit à l'autre, je me suis mis comme ça, mets-toi comme ça. La particule y va, elle dit à l'autre, mets-toi comme ça, il se met comme ça. La seule manière d'être sûr que ça n'a pas lieu, c'est d'écarter suffisamment les particules et de les mesurer suffisamment vite pour qu'elles n'aient pas le temps de se parler. Et ce temps-là, on le connaît, c'est la vitesse de la lumière. La chose la plus rapide qu'on sache faire au monde, c'est la vitesse de la lumière. Donc si vous les séparez de plus d'une certaine distance et que vous les mesurez suffisamment vite par rapport à cette distance, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas le temps de se parler entre eux. Ce qu'a réussi à faire Alain Aspect dans les années 80, ils ont mis 12 mètres entre les deux détecteurs, ils ont inventé des détecteurs qui tournaient à la nanoseconde, et donc ils étaient sûrs que les deux particules pouvaient pas se parler. Et en faisant ça, ils ont trouvé qu'il y avait quand même une action instantanée à distance. Et depuis, on a fait mieux. Et je vous montre le record du monde. Comme d'habitude, les gens essayent de faire mieux, mieux, mieux. Et le record du monde, c'est des Chinois qui l'ont obtenu en envoyant un satellite dans l'espace. Alors, cette manip, elle est absolument, moi je la trouve prodigieuse. Donc, la manip, ils ont envoyé un satellite dans l'espace à 500 km, à peu près. Et le satellite, c'est un petit labo quantique qui envoie des photons intriqués sur Terre, vers deux villes à 1200 km de distance en Chine. Okay Donc, il fait ces deux photons intriqués il en envoie un. Vers une ville ici, une autre vers l'autre ville qui est plus au nord, à 1200 km. Sur Terre, il y a deux labos qui ont des énormes antennes comme ça et qui attendent les photons. Inutile de vous dire qu'ils en reçoivent d'autres de photons. Il y a le jour, alors qu'ils font ça la nuit quand même, mais bon, il y a des lumières parasites, qui reçoivent plein de photons, mais à un moment donné, ils reçoivent le photon. Là, il faut être sûr que c'est lui. Il faut être sûr que l'autre labo à 1200 km a reçu un photon au même moment et que c'était le bon aussi. Et puis ensuite, il faut comparer. Alors, ils ont fait ça. Alors là, quand vous faites ça, en général, vous avez une paire sur un million qui marche. Mais ce pas grave, vous en envoyez un million, deux millions, trois millions, et au bout d'un moment, vous avez suffisamment de paires et vous vous rendez compte qu'elles sont intriquées. C'est incroyable mais quand on y pense, c'est-à-dire que le photon il a traversé toute l'atmosphère, il a réussi à aller jusqu'au détecteur et à être détecté pour voir que c'est intriqué. Ça sert absolument à rien, mais c'est prodigieux. Donc retenez l'idée qu'en physique quantique, on peut intriquer des particules, c'est-à-dire mélanger en quelque sorte leurs propriétés pour qu'elles soient ensuite reliées dans la suite et que quand j'agisse sur l'une, ça agisse instantanément sur l'autre. Petit moment de pause, on souffle. C'était le titre de l'article, qui n'a pas menti sur la marchandise. Beaucoup d'auteurs, plutôt chinois. Et ça, ça remet en cause l'idée de la localité. Un objet ici ne peut pas influencer un machin là instantanément. Eh bien, ce n'est pas vrai. En physique quantique, deux objets peuvent s'influencer instantanément. On dit qu'il y a non-localité. Et jusqu'à présent, je suis resté très théorique, très fondamental. Et maintenant, je vais vous montrer quand vous prenez tout ça à la fois, les quatre concepts, vous pouvez fabriquer un ordinateur quantique. C'est bon On y va L'ordinateur quantique. Donc comment ça marche Maintenant, on est équipé pour comprendre comment ça marche. Vous vous souvenez de ce qu'était un ordinateur non quantique C'était des zéros et des 1. D'accord Donc un ordinateur non quantique est composé de bits, et chaque bit, c'est un 0 ou un 1. Et on peut tout écrire comme ça. Un ordinateur quantique, c'est hyper facile, c'est un 0 et un 1 superposés. On a le droit, hein. Vous vous souvenez quand je mettais mes petites flèches, une comme ça, une comme ça bah, Si je mets les deux à la fois, bah, c'est les deux à la fois. Je dis que cette flèche-là c'est 1, cette flèche-là c'est 0, et bah, j'ai un 0 et un 1 à la fois. Donc on va appeler ça un qubit, q comme quantum. Hein et c'est une superposition de deux états. Et donc si vous avez un objet comme ça, ça ne vous sert absolument à rien pour calculer, pour l'instant. Alors je vais vous montrer maintenant ce qui se passe si vous en prenez plusieurs. Alors souvenez-vous, si je prends plusieurs particules, il faut que je me demande si j'arrive à les intriquer ou pas. Imaginons qu'on arrive à les intriquer. Donc là, ça commence à être compliqué. Je commence à prendre plein de ces particules-là qui sont à la fois 0 et 1. Souvenez-vous, par exemple, de celui qui a une flèche vers le haut et une flèche vers le bas à la fois. Et je vais les mélanger. Et je ne vais pas en prendre que deux, comme faisait Alain Aspect ou comme faisaient les Chinois. Je vais en prendre plein. Et je vais regarder ce qui se passe. Ben, il se passe un bazar incroyable. Il se passe que tous les trucs sont dans tous les états possibles. Et je vais juste, pour l'instant, m'amuser à compter combien il y a d'informations là-dedans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire d'informations alors d'abord, je vous explique juste comment on les note, parce qu'on va en avoir besoin dans la suite. Donc là, c'est un peu pour faire chic et physicien. Ça s'appelle des brackets, des quêtes et des bras. En fait, ça vient du mot bracket, un hein, crochet. Donc là, je suis en train de dire que ce truc, il est à la fois 0 et 1. Et regardez bien devant, j'ai mis des coefficients. Pourquoi Parce que je ne suis pas obligé qu'il y ait autant de 0 que de 1. Je peux choisir, par exemple, d'avoir 70% de 0 et 30% de 1. Ça, ça veut dire que si vous le mesurez, vous avez 7 chances sur 10 que ça soit 0, 3 chances sur 10 que ça soit 1. D'accord donc deux qubits, c'est la même chose. Bon après ça devient impossible à dessiner. Mais je peux le dessiner comme ça. Et je peux l'écrire comme ça, vous voyez Ça peut être à la fois 0,0, ça peut être 0.1, ça peut être 1, 0, ça peut être 1,1. J'ai écrit les quatre possibilités. Et pareil, je peux choisir d'en avoir 10% de lui, 20% de lui, 30% de lui, je ne sais pas combien. Et donc maintenant je veux compter combien je peux stocker d'informations là-dedans. C'est facile, si je prenais deux bits normaux... Il ben, y a deux informations dedans, c'est facile, il suffit que je vous appelle au téléphone. Si je vous appelle au téléphone pour vous dire ce qu'il y a dedans, il ben, faut que je vous dise euh, ce que vaut le premier, ce que vaut le deuxième, donc il faut que je vous donne deux informations. Deux bits, ça contient deux informations. Voilà. Un gigabit, c'est un giga information. Avec deux bits quantiques, hein, ben, vous voyez que si je l'écris comme ça, j'ai quatre informations. Je ne suis pas complètement rigoureux, mais en gros, vous comprenez l'idée. Ben, je continue, j'en rajoute un, tiens, j'en mets trois. Trois bits, ben, j'ai trois informations, c'est toujours aussi débile. Trois bits quantiques, ben, c'est hyper pénible à écrire, mais je l'ai fait vous Écrivez toutes les combinaisons possibles de ces 0 et de ces 1, bah vous en avez 8. Donc vous avez 8 informations. Et vu que je suis hyper courageux, j'en ai fait 4. 4 bits, 4 informations. 4 bits quantiques, il bah faut l'écrire. Hein. C'est pénible et c'est 16 informations. Et vous commencez à comprendre le truc à chaque fois que j'ai multiplié par 2. À chaque fois que vous rajoutez un qubit, vous multipliez par 2 le nombre d'informations. Le nombre d'informations est juste proportionnel à 2 puissance n. n étant le nombre de qubits. 2 puissance n. Le truc important, c'est que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors des gens se sont amusés à regarder par exemple ce que ça voudrait dire euh, 2 puissance 70. Donc si vous prenez 70 bits quantiques, n'est pas énorme 70, eh bien ça contiendrait 2 puissance 70 informations. Donc là c'est à peu près le nombre que ça ferait quand on tape sur Google 2 puissance 70 ou sur sa calculatrice. Alors, ça tombe pas aussi juste mais pas loin. Et ça, c'est un zettabyte, c'est-à-dire à peu près toute l'information produite par l'humanité de tous les temps. Si on était capable de manipuler cette information, vous voyez, on arrive à stocker dans 70 bits quantiques toute l'information de toute l'humanité. Mais ça ne sert absolument à rien, vu que c'est un bazar superposé, infâme. Mais c'est juste pour vous montrer que si on arrivait à les manipuler, on aurait quand même un machin vachement puissant. Parce qu'il peut agir sur une grande quantité d'informations à la fois en parallèle. Et donc tout le jeu de l'informatique quantique, ça va consister à essayer de manipuler cette espèce d'amas de 0 et de 1, superposés et intriqués. Et je vais essayer de vous montrer un tout petit peu comment. Pas beaucoup, mais un petit peu. L'astuce, la règle absolue, c'est d'oublier ce que vous faites quand vous faites un programme informatique habituel, un Python ou un C ou un je ne sais pas dans quoi vous programmez. Il faut programmer quantique. Si vous voulez manipuler un objet quantique, il va bien falloir utiliser les règles de la quantique, sinon ça ne va pas marcher. Et donc c'est seulement en utilisant les règles même de la physique quantique qu'on va pouvoir manipuler les 0 et les 1 quantiques, ce qui est assez logique. Et donc plutôt que de vous faire un grand cours de manipulation d'objets quantiques avec des portes logiques quantiques et des tas de trucs compliqués, je vais vous montrer un exemple, un seul exemple où je vous montre comment ça marche, à peu près. Et cet exemple, vous allez le voir après, parce que je me rends compte qu'il y a un autre truc à vous dire avant, donc je zappe tout ça, hop, exemple. Non, c'est même pas encore là. Bon, il arrivera après l'exemple. Voilà, quelle suspense. Avant d'en arriver à l'exemple, <laughs> euh, je vais juste vous dire ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Quels sont les défis ben, C'est facile, il hein. faut fabriquer des bits quantiques, des zéros et des 1 superposés, facile. faut tous les intriquer ensemble, ah, moins facile, moins facile. Vous allez voir que ça va être très fragile. Il faut garder ça en vie longtemps, vous vous souvenez que tout s'arrête au bout de 100 microsecondes dans la manip de Serge Arroche Allez, il va passer le même genre de choses. Hein. Ils ne vont pas aimer rester tous ensemble entre 0 et 1. Dès que vous allez les mettre dans une boîte avec de la lumière ou du courant électrique ou je sais pas quoi, ça va s'arrêter très vite cette chose-là. Une fois que c'est arrêté, votre calcul, il est fini. Donc vous avez peu de temps pour calculer. Puis alors après, il va falloir calculer. Donc calculer, ça veut dire faire des portes logiques pour manipuler ces 0 et ces 1, et ça c'est une vraie galère. Je vous le dis à l'avance. Et puis le dernier problème, c'est une fois que vous avez fait tout ça, ça va réécrire un programme. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on ne sait pas faire grand chose et on ne sait pas programmer grand chose. On sait programmer certaines choses, mais pas tout. L'ordinateur quantique ne remplacera jamais vos ordinateurs pour la plupart des programmes. Pour 95% des programmes que vous utilisez, Word, Excel, traitement de texte, machin, truc et tout, ça ne servira à rien. Ça va seulement être dans certains cas que l'ordinateur quantique va servir à quelque chose et je vais vous montrer dans quel cas. Donc, comment vous faites du côté hardware C'est-à-dire, si j'ouvre le capot, qu'est-ce qu'il y a dedans Et quelle tronche ça a un ordinateur quantique Alors, je vais vous en montrer un. Le voilà. Vous êtes prêts eh ben, Ce n'est pas un ordinateur, en fait. C'est une manip de laboratoire. C'est un cryostat, avec plein de fils. Alors, regardez bien ce qu'ils font là, ils le connectent et ils vont le mettre dans une espèce de citerne avec du papier à lu Regardez bien, on a l'impression qu'il y a du papier à lu à un moment donné. Maintenant, hop, deuxième citerne, on boulonne, hop, c'est fini. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là En fait, c'est un cryostat, c'est-à-dire que c'est une citerne qui doit descendre à très basse température. Pour descendre à très basse température, quand je dis très basse température, c'est 15 millikelvin, 0,015 degré du zéro absolu. C'est froid, c'est 20 000 fois plus froid que cette pièce. C'est mille fois ou dix mille fois plus froid que n'importe où dans l'univers. Et donc pour arriver à descendre à ces températures, c'est compliqué. Il faut utiliser de l'hélium superfluide, il faut faire des tas d'astuces de thermodynamique, et en plus, il faut tout isoler, parce que sinon ça boue instantanément. Donc toutes les couches que vous avez vues, les différentes citernes et tout, c'est pour l'isoler. Donc il y a plein d'électronique, plein de fils électriques et tout, et tout ça dans une marmite qu'on descend le plus froid possible. Il vous faut un système à deux niveaux. Pour faire de la superposition. Donc là, il y a plein de choix possibles et euh, chacun a son préféré. Microsoft a parié sur le bit topologique, euh, IBM a parié sur le supraconducteur, euh, le MIT a parié sur les ions piégés. Je vous montre les deux candidats favoris. Il y en a un c'est prendre des atomes, arracher des électrons, donc ça fait des ions, et puis essayer de le faire flotter comme ça, le plus calmement possible. Alors normalement, ça fait comme ça, hein, c'est un gaz. Sauf qu'avec des lasers, on sait le freiner. Et si on le freine et qu'il flotte là sans trop bouger, dans une marmite, hein, c'est vraiment dans une marmite, dans une citerne, vous avez un ion piégé dans le vide comme ça, et vous pouvez après lui balancer des petites excitations pour l'exciter et ne pas l'exciter. Et donc il va être dans deux niveaux à la fois, excité, pas excité. Un ion piégé. Il vient d'y avoir une nouvelle ce matin, je crois, ou hier, de Honeywell Bull qui disent qu'ils ont battu Google avec un ordinateur avec des ions piégés. Et j'ai pas eu le temps de lire l'article, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Ça a cette tronche-là, donc pas une tronche d'ordinateur. Le deuxième candidat le plus utilisé, c'est avec des supraconducteurs, je ne détaille pas, c'est électriquement une petite merveille, et ça permet d'avoir un circuit électrique dans deux états à la fois, en gros, donc toujours avec deux énergies possibles. Et ce qui compte pour moi, c'est toujours qu'il y ait deux états, ils sont là les deux états, c'est deux énergies dans le circuit, un peu comme un circuit RLC, mais on a remplacé la bobine par un machin plus bizarre. On le refroidit, et on a nos deux états à la fois. Il y a plein d'autres solutions étudiées, il y en a qui essaient de faire ça avec des spins, il y en a qui essaient de faire ça avec des grains de lumière, des photons, en jouant sur la direction, la polarisation de la lumière. Mais à la fin, le point à retenir, c'est que ce n'est pas un ordinateur, c'est que c'est un labo, en fait. Et voilà toutes les solutions actuellement étudiées dans le monde. Donc alors, euh, Microsoft, euh, ils essayent euh, ça, euh, IBM et Google, ils sont là-dessus, euh, Honeywell, bull ils sont ici, etc., etc. Voilà, chacun en essaye un. Hein. Et plein de labos publics, évidemment, travaillent là-dessus. Tout est venu des labos publics, hein, au début, hein, soyons clairs. Et maintenant, je vais enfin vous expliquer comment programmer cette bête. Donc, vous avez des 0 et des 1 superposés, ok Vous les avez tous accrochés ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme calcul avec ça Et je vais vous donner un seul exemple hein, qui est euh, proposé par Grover en 1997. Et l'idée, c'est aller trier dans un bouquin, en gros, ou aller trier une liste. Donc, l'idée, elle est très simple. Je vous donne un bouquin avec 1000 pages et j'ai mis un prénom par page il faut trouver où est le vôtre et c'est pas par ordre alphabétique. Donc là un ordinateur classique ou un être humain, il n'a qu'une seule possibilité, ben, il regarde la première page, il regarde la deuxième page, il regarde la troisième page. Donc si le truc fait 1000 pages, ben il a euh, en moyenne 500 coups pour trouver son prénom. S'il a pas de bol, c'est 1000 coups, s'il a du bol, c'est dans les premières pages. D'accord Je vais vous montrer comment on peut essayer de faire ça avec un ordinateur quantique en 10 à 100 coups. D'accord En racine du nombre que je vous ai dit avant. Alors voilà comment on fait. Vous prenez tous les prénoms à toutes les pages, et vous allez les coder et évidemment tous les superposer, d'accord Donc vous vous fabriquez une fonction d'onde. Vous la voyez la fonction d'onde si vous regardez comme ça, vous avez la fonction d'onde. Donc la fonction d'onde, c'est la superposition de tous les prénoms de toutes les pages, d'accord Et vous essayez pas de la regarder parce que si vous essayez de la regarder, ça s'arrête. Hein. Elle va tirer au sort un des prénoms, elle va vous dire c'est Sabine. Et non, si ça se trouve c'est pas Sabine, d'accord vous vous souvenez qu'on cherche Julien dedans, hein, évidemment. Et donc là, vous allez maintenant, dans la boîte, en le protégeant bien, faire agir la physique quantique. Vous allez utiliser des portes logiques qui vont être capables de comparer cette fonction d'onde au prénom Julien. Et avec une opération quantique un peu astucieuse, on va en gros prendre cette fonction d'onde, on va la mettre en face de Julien et ça va faire ça. Regardez bien, vous êtes prêts, c'est pas un gros effet. Attention, ça va faire... Ah oui, non, au début, ils sont superposés, pardon. Ça va faire ça. Attention, ça s'appelle un oracle. Hop, vous l'avez vu, non Je vous le refais. Hein. Attention. Hop. Une troisième fois. Hop. C'est minable. Ça a vaguement fait un tout petit peu pousser lui par rapport aux autres. C'est ça l'effet de ces portes logiques-là. On sait un tout petit peu faire pousser la fonction non correspondant à votre prénom par rapport aux autres. Et donc, évidemment, vous êtes malin, vous le refaites. Et puis, vous le refaites. Et puis, vous le refaites. Et puis, vous le refaites. Et, puis vous, le refaites. Et vous continuez, vous continuez, vous continuez, jusqu'à ce que ça soit comme ça, à peu près. Et là, une fois que c'est comme ça, vous n'avez toujours pas essayé d'observer, de mesurer, de faire quoi que ce soit, vous laissez le truc tranquille, maintenant vous mesurez. Maintenant, vous y allez bourrin, vous branchez votre oscilloscope, ou ce que vous avez envie, vous mesurez. Et là, qu'est-ce qui se passe Vous vous souvenez de la règle Ça va se réduire en un point, et ce point il est proportionnel à la hauteur au carré. Donc 99 fois sur 100, vous allez tomber sur le pic Julien, et vous allez être hyper content. Une fois sur 100, vous allez tomber sur Clémentine. Alors là, vous, vous dites, bon, bah, alors, il se plante une fois sur 100, c'est pas la mort. Non, en effet. Et si on refait le calcul deux ou trois fois, vous allez voir que votre probabilité, elle réduit très vite, et à la fin, vous êtes sûr de où est Julien. Et ça vous a pris racine du nombre de coups. Et encore, je vous ai montré un des algorithmes les moins performants. Il y a des algorithmes où on gagne exponentiellement par rapport au nombre de coups. Mais vous voyez le principe Le principe, c'est de créer une sorte de soupe avec toutes vos informations, agir sur cette soupe sans la mesurer avec des opérations quantiques un peu astucieuses pour faire pousser votre solution. Et une fois que vous pensez qu'elle a suffisamment poussé, vous mesurez. Alors dit comme ça, on peut se dire, mais est-ce qu'on s'en fiche quand même pas un petit peu de trier Julien dans une liste Alors non, 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 non. Ça, si on y arrive, c'est super important parce que j'aime autant vous dire que tous les gens qui manipulent des gros data et des grosses bases de données chez Google et autres, ils ont besoin de vitesse de calcul pour trier dans des grands nombres d'informations. Il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources développées pour ça. Mais si c'était que ça, ça ne me brancherait quand même pas énormément. Et donc on arrive maintenant à ce qu'a fait Google. Qu'est-ce qu'a fait Google Est-ce qu'ils ont fait ce truc-là Non, non, parce que ça, ça serait utile. Ils n'ont pas fait ça. Ça, ils en sont incapables. Ce qu'ils ont fait, je vais vous le montrer. Vous vous souvenez de l'équipe de Santa Barbara là, avec John Martinis J'ai dit, faites attention à John Martinis. John Martinis, chercheur en jean, sympa à l'époque, à Santa Barbara, il y a quelques années. Le même John Martinis, maintenant, j'ai fait une sorte de trucage. Je... C'est lui qui dirige l'équipe Google maintenant. Il a été débauché par Google pour développer l'ordinateur quantique chez Google. Donc, voyez, on est passé de la recherche fondamentale en recherche appliquée, ou en recherche fondamentale, mais chez un industriel, en un ou deux ans. Et c'est une équipe maintenant, alors un peu plus importante que l'équipe d'avant. Là, on voit que Google a mis un peu d'argent sur, sur la table. Et donc, ils ont fabriqué ça. Donc, ça, c'est le, le sycomore. C'est leur microprocesseur. Alors, à l'intérieur, il y a des. Vous voyez les espèces de machins bleus, là Chaque machin bleu, c'est un 0 et un 1 superposés. Donc, il y en a 53. Alors, on se dit pourquoi 53 Parce que le 54e a planté. Donc, ils ont dit, voilà, 53. Euh, D'ailleurs, il est dessiné en blanc, là, regardez. Ils ont été honnêtes. Et entre. Ces trucs bleus, il y a des trucs gris c'est des portes logiques. Ils sont incapables de faire un algorithme très intelligent. Ils ont essayé de faire un calcul très simple. Alors vous allez voir le calcul qu'ils ont fait. Alors ils ont utilisé des supraconducteurs pour ça. Alors ce qu'a fait l'équipe de Google. Donc ils ont réussi une fois qu'ils avaient ce circuit à choisir aléatoirement les portes qui marchent dans leur circuit avec les règles de la quantique. D'accord Ils ont dit euh, fais de la quantique aléatoire. La quantique elle sait bien faire de l'aléatoire. D'accord Puis une fois que ça faisait ça, ils l'ont fait fonctionner. Ils ont mesuré ce qu'ils trouvaient dans leurs 53 trucs. Donc ils ont trouvé 53 0 et 1. Puis ils ont recommencé. Puis ils l'ont refait. Ils ont recommencé. Ils l'ont refait. Et c'est tout. D'accord Et donc à la fin, en répétant, ils ont réussi à trouver en gros la probabilité d'avoir chacune des combinaisons possibles. Parce que l'ordinateur quantique, évidemment, il fonctionne avec sa propre quantique, donc il fait de l'aléatoire quantique. Et ils ont dit, essayez de faire ça avec un ordinateur normal, vous n'y arriverez pas. Parce que l'ordinateur normal, ne fonctionne pas avec la quantique, et donc c'est très compliqué pour lui de reproduire ce calcul quantique. Donc en gros, Google, ils ont réussi à ce que l'ordinateur calcule ce que l'ordinateur fait. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est un peu ça, quoi. Donc l'ordinateur dit comment il fait de l'aléatoire. Et ça sert à rien. Voilà. Et après, ils ont vérifié que ben ça, un ordinateur normal qui n'est pas câblé quantique ne sait pas le faire. Donc là, on peut se dire, ils se fichent quand même un peu du monde. En fait, c'est capital. Parce que l'enjeu là, c'est pas du tout ce calcul-là. C'est de montrer qu'ils ont été capables de manipuler 53 portes logiques ensemble et 53 qubits ensemble sur un temps de cohérence raisonnable, à basse température, et à contrôler tout ça, ce qui est prodigieux d'un point de vue technologique. Et ils disent, et eh maintenant, on va commencer à faire des choses utiles. Et donc, on arrive à la vraie question c'est à quoi ça sert est-ce que ça sert juste à trier dans une liste ou pas Je regarde l'heure. C'est presque fini là. Non, on a encore un quart d'heure. Ça vous va Vous n'avez pas le choix. <laughs> ça va déranger tout le monde si vous sortez. Hein. Allez, en un quart d'heure, je finis. À quoi ça sert Ça sert à résoudre plus vite certains algorithmes où la quantique est bonne. Donc je vous en ai donné un qui était le tri dans une liste. Il y en a d'autres. Par exemple, ça sert à très bien factoriser en nombre premier. Alors là, pour le coup, c'est exponentiellement fort. Et donc là, tout le monde a dit, oh, le monde entier est menacé. Parce que le jour où l'ordinateur quantique sait faire ça, il casse tous les codes secrets qui sont basés sur la clé RSA en factorisation de nombres premiers. Rassurez-vous, je crois que les mathématiciens ont déjà inventé des... Alors ils appellent ça, je crois, de la cryptographie post-quantique, qui utilise des mélanges de quantique et de classique pour qu'un ordinateur quantique soit incapable de casser le code. Donc je ne suis pas très inquiet là-dessus, je ne pense pas que ça menace l'humanité. Donc hop, je zappe. Deuxième problème que saurait très bien faire un ordinateur quantique, le problème du voyageur. Je vous demande de faire un voyage en France et de passer par dix villes. Je vous donne les dix villes. Et je vous dis, je veux que vous me fassiez le voyage le plus court possible. Calculez quel est le bon trajet. Une galère à calculer, mais vous pouvez y arriver, faites un programme, un machin, vous testez tous les parcours. Je vous demande maintenant 15 villes. Alors là, il faut le meilleur ordinateur au monde et vous y arriverez peut-être. Je vous demande 18 villes, plus aucun ordinateur ne sait le faire. Vous comprenez bien pourquoi C'est parce qu'à chaque fois que vous rajoutez une ville, il y a plein de combinaisons en plus. C'est un calcul qui va croître très vite avec le nombre de villes, qui va impliquer plein de combinatoires. Un ordinateur quantique saura le faire très bien, parce qu'il va explorer plein de chemins à la fois et n'aura pas ces problèmes de limitation et saura vous faire 18 villes comme ça. Et là, on peut se dire, mais on fait pas très souvent en France des trajets avec 18 villes, où on se prend la tête avec le trajet et tout. Alors si, 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 si attention, hein, le monde de la logistique, le monde du fret, le monde d'Amazon, tout ce monde-là a des vrais enjeux de parcours à optimiser, et pas seulement eux, les designers, j'ai appris ça, les designers de microprocesseurs ont des sacrés enjeux sur comment placer sur la puce les microprocesseurs pour faire les parcours électriques les plus courts possibles. Donc il y a plein de gens qui se posent plein de questions de comment optimiser des trajets en passant par différents points et qui seraient ravis d'avoir cette application-là. Je vous ai fait rêver hein, avec le problème du voyageur. Autre application, trier, donc on l'a vu, simuler la mécanique des fluides. Ça, ça ne fait vraiment pas rêver. Mais il se trouve que l'équation de Navier-Stokes qui gouverne la mécanique des fluides pourrait être simulée bien plus rapidement avec un ordinateur quantique. Boeing, société d'avion Boeing, a investi... Dans l'informatique quantique, parce qu'ils disent si un jour on y arrive, ça, ça change complètement notre façon de simuler l'air autour d'une aile d'avion. D'accord. Donc il y a des enjeux énormes du côté de l'aérodynamique, du côté des voitures, du côté des bateaux, du côté des avions, pour simuler plus vite cette équation de Navier-Stokes qui est une vraie galère à simuler et qui bouffe un temps d'ordinateur hallucinant. Aider l'intelligence artificielle, on pense qu'en mettant un ordinateur quantique en même temps que des réseaux de neurones et de l'intelligence artificielle, on pourra avoir des choses bien plus rapides. Aider la finance, mais ça on s'en fout. Donc je zappe. Mais c'est le deuxième type d'application qui moi m'amuse vraiment et m'intéresse bien, bien plus. Ça c'est sympa, hein, tous ces trucs d'algorithmes c'est hyper important à pour la société. Si ça marche un jour, ça sera super important. Mais moi ça me, bon voilà, ça me branche pas. Alors que ça, vous allez voir, c'est trop top. C'est une idée qu'on doit à Feynman. Feynman, un grand physicien de la quantique, qui a eu l'idée dans les années 80. Il a dit cette phrase en anglais "La nature n'est pas classique. La nature est quantique." Hein, et lui, étant prix Nobel de quantique, le savait. Damit, hein, bon Dieu, bordel, ou je sais pas comment le traduire. Hein. Et ça, ça veut dire que si vous voulez simuler la nature, vous avez intérêt à le faire avec de la mécanique quantique. Bon, il se mouille pas trop en disant ça. En fait, c'est un article bien plus profond où il dit, si vous voulez simuler une molécule, un atome, un solide, il faut utiliser la physique quantique, évidemment. Et ça va être une galère, parce que la physique quantique, elle est compliquée à calculer qu'un ordinateur normal. Parce qu'elle croit exponentiellement, c'est des matrices et c'est une galère, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Mais si je fais le calcul avec un ordinateur quantique, facile pour lui, vu qu'il utilise ses propres règles. Et donc l'ordinateur quantique pourrait être un formidable outil pour calculer de la quantique. Alors, vous allez me dire mais là, le physicien il se fait plaisir. <laughs> mais nous on s'en fiche un petit peu qui calcule la quantique. Alors je vais vous montrer que en fait ça peut avoir un vrai impact sur l'avenir de l'humanité. Voilà, c'est pour vous motiver à rester. Hein. Simuler la quantique. Alors d'abord pourquoi simuler la quantique Je vais vous montrer à quel point on est mauvais avec les ordinateurs normaux. Donc par exemple la molécule de calcium fluor, CAF. Si on cherche juste la distance entre les deux atomes, deux atomes, on cherche la distance entre les deux atomes et on fait tourner ça dans un ordinateur un classique avec les meilleures équations du monde, et bien actuellement le calcul vous permet de trouver 4,079 angströms et si vous mesurez, vous trouvez 1,967 angströms. Ça craint. On n'est pas très bon pour simuler la physique quantique. Dans certains cas, on y arrive, mais dans la plupart des cas, on est vraiment mauvais. Donc ça, c'est la motivation, c'est arriver à trouver le bon nombre. On se dit après tout, si vous le mesurez, vous n'avez pas besoin de le calculer et c'est vrai. Il y a des cas où ça pourrait être utile. Je vous en donne un, c'est la chimie. Il y a certaines réactions chimiques qu'on aimerait comprendre et qu'on ne comprend pas. Et moi, celle qui m'amuse le plus, qui m'intéresse le plus, c'est celle-là. C'est convertir l'azote en ammoniac. Alors il se trouve qu'en fait, si, c'est un truc que la nature fait très bien, ça s'appelle la nitrogénase. C'est une protéine à laquelle moi je ne comprends rien, mais qui permet de convertir l'azote en ammoniac, avec des rendements ridicules, des débits ridicules, mais elle fait ça très bien. Mais on ne comprend pas comment elle marche. Donc l'être humain, il a trouvé une autre méthode, c'est le procédé Haber-Bosch. Voilà. Donc ça, c'est le procédé haber en action. Donc c'est une usine. Vous rentrez là, regardez de l'azote et ça vous sort de l'ammoniac. Vous allez me dire, pourquoi on veut absolument faire ça Pour faire des engrais. Alors, on peut me dire, ah mais on est contre les engrais et tout. Alors les engrais azotés dans le monde actuellement, ça nourrit à peu près deux tiers de la population mondiale. Les gens se sont amusés à faire le calcul. Si j'arrête les engrais azotés du jour au lendemain, je tue deux tiers de la population mondiale. Donc on peut dire qu'on est pour, qu'on est contre. Dans l'état actuel du monde, avec 7 milliards d'habitants, il nous faut des engrais. D'accord J'en suis aussi malheureux que vous, mais c'est la vie. Et donc, pour le construire, pas de problème, à Berboche, vous en trouvez le bon cycle chimique, machin, catalyseur et tout. Et le drame, il est là, regardez, 500 degrés. Il faut à un moment donné chauffer la soupe à 500 degrés pour la catalyser pour que ça marche bien. Ce truc-là bouffe en gros 2% de l'énergie mondiale. Et ce truc-là émet en gros 1 à 2% du CO2 mondial. C'est un drame. Et on ne peut pas s'en passer. Sauf si on comprenait la nitrogénase. Donc, vous mettez la nitrogénase dans un ordinateur quantique, alors pas la protéine, hein. vous mettez la simulation de la protéine avec vos qubits, vous faites tourner la machine et vous lui dites dis-nous comment ça marche. Dis-nous comment la nitrogénase arrive à transformer l'azote en ammoniaque, tu nous donnes la recette, puis après, nous, on va dans le labo, on le fait à température ambiante, à 20 degrés. Et on gagne, paf, 2% sur l'énergie mondiale. Donc, ça, c'est le rêve. Ça, c'est un des trucs qui a vraiment déclenché IBM et Google dans la bataille, hein, où ils se sont dit là, il y a un vrai enjeu. Autre exemple, mieux comprendre ou stopper certaines maladies. On y revient hein, au coronavirus, hein, on a cru y échapper. Il y a Macron en ce moment qui est en train de dire qu'il faut tout fermer. Euh, on pourrait, avec des ordinateurs quantiques, comprendre le repliement des protéines dans certains cas et qui est un point clé pour lutter contre certains cancers. Ne me demandez pas pourquoi parce que j'y comprends rien, mais on m'a garanti que c'était vrai. Et puis, ça pourrait me permettre d'inventer des nouvelles molécules. Après tout, si j'ai un ordinateur et que je lui dis, ben voilà, tu me mets du carbone, de l'hydrogène, du machin, et puis tu me dis comment ça marche et ce que ça fait, on peut en tester plein dans un ordinateur. On n'a pas besoin de les synthétiser à chaque fois et de se taper des années dans un labo de chimie. Une fois qu'on a la formule, on va dans le labo de chimie et on la fabrique. Et donc, avec ça, on pourrait inventer des nouvelles molécules avec les propriétés qu'on veut, donc des nouveaux médicaments. Puis alors, allons-y, rêvons des nouveaux matériaux. Moi, ça, c'est mon rêve. Moi, j'ai bossé 20 ans de ma vie sur des supraconducteurs sans rien comprendre et en essayant de rendre des supraconducteurs. Ma bah, supraconducteur à température ambiante. Et on n'y est absolument pas arrivé. Hein. Et bien, bah, avec ça, bah, je rends tous mes supraconducteurs possibles. Je lui dis même d'en essayer de nouveau avec un peu d'intelligence artificielle. Puis j'attends qu'il me sorte le bon et je vais le synthétiser. Et paf, prix Nobel, quoi. Et paf, on remplace tous les câbles électriques dans le monde. On met des panneaux solaires au Sahara. On ramène l'électricité jusqu'en France. Zéro effet joule, zéro dissipation. J'ai résolu les problèmes d'électricité en France. Hein. Ce n'est pas des petits enjeux, hein. il faut se rendre compte de ça. Évidemment, ça, c'est le monde idéal. Autre truc que je changerai immédiatement, moi, si vous me donnez un ordinateur quantique et vous me dites, mais qu'est-ce que tu calcules en premier bah, Des matériaux pour les batteries, j'essaie de trouver un truc mieux et plus efficace que les machins au lithium. quoi. Puis pendant que j'y suis, j'essaie de tester plein de systèmes pour faire des cellules photovoltaïques. Actuellement, le rendement des meilleures cellules photovoltaïques, c'est 30 à 40%. Le rendement théorique, limite thermodynamique, c'est 85%. Il y a une petite marge de progression quand même. Et ce facteur 2, il serait vraiment utile à l'humanité, pour le coup. Donc voilà, on pourrait faire plein de trucs avec. Et d'où la question, bah alors là, on nous a tout vendu, on a les 53 qubits, on a les machins, etc. Quand est-ce qu'on le fait alors, Par exemple, la nitrogénase, les chercheurs ont calculé qu'il faudrait 100 qubits pour que ça marche. Et là, on se dit, on est à 53, on y est presque. Puis chaque année, on a gagné un facteur 2 à peu près en nombre de qubits. Donc on se dit, c'est bon, l'année prochaine, on l'a. Il y a deux problèmes. Et je vais finir sur ces deux problèmes. Premier problème, la décohérence, vous vous souvenez Cette courbe terrible là, au bout de 100 microsecondes, tout s'arrête. Donc il faut que votre calcul aille vite. Et ça, on s'en sort encore. On sait travailler à la gigahertz à peu près, donc on sait faire un calcul toutes les nanosecondes. Donc sur 100 microsecondes, on a le camp de faire quand même un certain nombre de calculs, hein, 100 fois 1000. C'est pas énorme, mais on peut quand même arriver à calculer. Mais il y a un autre problème bien, bien, bien pire, et c'est lui. C'est ce qu'on appelle le bruit ou l'environnement. On a plein de noms très élégants pour le dire. C'est que vous vous souvenez le chat tout à l'heure Quand je branchais mon machin à tous les atomes, au bout d'un moment, il s'arrêtait. Et eh en fait ça, j'ai même pas besoin de le brancher à quoi que ce soit, juste le bruit autour de lui, l'environnement électronique et tous ces autres cubiques qui sont là et tout, créent des perturbations qui vont le déranger et le faire s'arrêter au bout d'un moment. Mais ça peut même faire pire, il va continuer à être superposé, mais tout va se décaler d'un cran et vous ne le savez pas. C'est-à-dire que ça va faire des erreurs. Alors combien C'est pas dramatique. Hein. Une erreur sur 1000 opérations, c'est quand même pas mal. Avant on était à 1 sur 10, on est arrivé maintenant à une sur 1000. tout le monde est hyper content. Alors à titre de comparaison, on est dans un ordinateur normal. C'est 1 sur 10 puissance 20 à peu près, ou 1 sur dix puissance 17 opérations qui plantent. Donc, c'est quand même pas terrible. On se dit, bon, pourquoi pas, après tout, 1 sur 1000. Bah, le drame, il n'est pas là. Le drame, c'est que vous pourriez vous dire, bon, mais bah, après tout, 1 sur 1000, j'ai qu'à vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas d'erreur, et puis je continue. Vous n'avez pas le droit d'arrêter le calcul. Vous vous souvenez, le machin qui pousse, qui pousse, qui pousse Il ne faut surtout pas que j'essaie de le mesurer. Si je mesure en cours de route, tout s'arrête. Donc, il faut, pendant que la boîte est là, protégée, fermée, pendant son temps de décohérence, que je le laisse calculer que je n'y touche pas. Si j'y touche, j'arrête tout et donc je ne sais pas s'il a fait une erreur ou pas à la fin. Et donc si j'ai besoin de 10 000, 100 000 opérations, je suis absolument sûr qu'il a fait une erreur au bout du compte. Dès que je veux faire un calcul un peu conséquent, je sais qu'il est planté et qu'il ne marche pas. Et je ne sais pas le corriger. Et là, les physiciens ont eu un coup de génie, ils ont dit, on va inventer des codes de correction d'erreurs quantiques. Pas de problème. Alors là, vous allez lire l'article sur les codes de correction d'erreurs quantiques, c'est vraiment génial hein, ce qu'ils ont proposé. Ils ont dit, on va cloner. Au lieu de prendre votre 0 et 1 tout seul, vous allez le dupliquer, on sait faire ça. Avec des jumeaux. Okay et vous allez faire le calcul sur tout le monde, et de temps en temps, vous regardez un des jumeaux. Comme ça, vous ne bousillez pas lui, vous le laissez tranquille, et vous regardez sur un des jumeaux si tout se passe bien. Si ça se passe mal, bon, on arrête tout, on recommence. Et si ça se passe bien, on continue. C'est pas bête hein, comme idée. Alors le calcul, il est très simple. Si vous avez un taux d'erreur qui est le meilleur actuellement sur Terre, qui est 1 sur 1000, le calcul, c'est qu'il faut 10 000 jumeaux par qubit. Donc le calcul, quand on vous dit dans la presse. Avec 100 qubits, on va résoudre le problème de la nitrogénase, vous multipliez par 10 mille, Ça fait un million. En fait, si vous voulez faire des applications un peu intéressantes, il vous faut un million de qubits. Et là, on en est loin. Nous, on est à 53 actuellement. Peut-être 60 avec O'Neill-Bull hier. Et donc, l'enjeu, il est là. Est-ce qu'on va être capable de monter en échelle Est-ce qu'on va être capable de faire bien plus de qubits alors, que disent les gens? Moi, je, vais, je vais vous prendre le rapport que je trouve le meilleur sur le sujet, qui est un rapport produit par euh, l'Académie des sciences américaines avec les grands experts, à qui ils ont dit bah, Dites nous alors, est ce que pour quand c'est. Alors voilà les conclusions, il est passionnant ce rapport. Conclusion numéro quatre Au vu des informations disponibles, il est trop tôt pour prédire à quel horizon un ordinateur quantique de taille suffisante pourrait exister. C'est-à-dire qu'ils vous disent qu'ils savent même pas vous dire quand ils sauront vous dire si ça pourra marcher un jour. Ils ne savent pas. Donc là, vous lisez ça, vous êtes un politique. Qu'est-ce que vous faites Vous investissez ou pas Vous êtes Google Vous dites on arrête ou on continue Vous êtes un labo public Vous dites on met nos thésards sur le coup ou pas Deuxième conclusion hyper intéressante, je trouve. L'informatique quantique est précieuse pour susciter des recherches fondamentales qui permettront à l'humanité de mieux comprendre l'univers. Donc là, c'est sous-entendu. Même s'il n'y a pas d'application, oh, c'est pas grave. On aura compris des trucs au passage. Et ça, c'est le cœur de la recherche fondamentale. On s'en fiche des applications, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il n'y en aura pas, on est là pour chercher et on est là pour découvrir des choses intéressantes. Et l'Académie des sciences dit Essayez, de toute façon, vous apprendrez des trucs au passage. Et puis elle rajoute, quand même, pour encourager les gens Comme pour toute recherche fondamentale, les découvertes pourraient conduire à de nouvelles connaissances et à des applications décisives. Ils ne vous disent pas qu'il y aura un ordinateur quantique au bout du compte, mais ils vous disent Au passage, vous découvrirez d'autres trucs intéressants. Ça, c'est un grand classique de la recherche fondamentale. Une des plus grandes utilités de la physique des particules, ça a été de permettre d'inventer Internet. Les plus grandes utilités du programme Apollo, c'est les aspirateurs sans batterie et les vêtements des pompiers. Voilà. Il se trouve que le programme Apollo, on n'a pas découvert grand-chose sur la Lune d'incroyable, c'était une aventure fabuleuse. Du point de vue de la science fondamentale, on n'a pas appris grand-chose, mais on a inventé au passage des technologies incroyables, et au passage, on a dû miniaturiser l'électronique, et toute l'électronique moderne, elle a eu un énorme progrès grâce au programme Apollo. Ben là, c'est peut-être la même histoire. C'est peut-être parce que vous allez devoir développer des lasers et des cryostas et des tas d'applications au passage que vous allez découvrir d'autres trucs. Et je vous en donne juste un exemple pour vous montrer qu'en fait le temps il n'est pas perdu. Donc il y a des gens qui s'acharnaient à essayer de faire un ordinateur quantique avec du diamant. C'est classe hein. Alors pourquoi du diamant Parce qu'il se trouve que le diamant c'est des atomes de carbone organisés comme ça et dedans de temps en temps on peut mettre un atome d'azote et un trou à côté. Ok Ne me demandez pas pourquoi, c'est vrai. Et si vous faites ça, c'est ce qu'on appelle un défaut NV. N comme euh, enfin, l'azote, nitrogène, et V c'est vacancy, un trou. Ce truc-là a des propriétés fabuleuses. Il en a notamment deux. Il en a une, c'est qu'il fait de la lumière, si on l'éclaire d'une certaine façon, il fluore, un peu comme mon atome de barium tout à l'heure. Donc vous le voyez. Même s'il a en gros la taille de deux atomes, vous le voyez. Ça fait un petit spot lumineux, donc vous pouvez le mesurer. Et il porte un spin, un petit aimant. Et ce spin, regardez bien, s'il est vers le haut, ça fait plein de lumière. S'il est vers le bas, ça fait moins de lumière. Plein de lumière, moins de lumière. Plein de lumière, moins de lumière. Moins de lumière, moins de lumière. Et donc vous avez inventé le plus petit objet magnétique contrôlable au monde juste en regardant la lumière qu'il émet, une sorte de lampe de poche magnétique. Ça sert vraiment à rien, hein, dit comme ça. <laughs> et bien voilà ce papier qui est sorti il y a quelques mois seulement dans Nature, ils ont réussi à prendre ce diamant, à prendre ce truc là, à l'approcher d'une molécule et à faire de la RMN sur la molécule. La RMN, c'est une manière de voir les liaisons chimiques dans une molécule en faisant ce qui est le plus quantique possible en faisant résonner les spins des noyaux. Et on commence maintenant à penser à faire de l'IRM, c'est la même technique avec ces objets-là mais de l'IRM atome par atome. On a inventé la plus petite sonde RMN au monde et la plus petite sonde magnétique au monde. Plus rien à voir avec l'ordinateur quantique, mais c'est des gens qui continuent à bosser sur l'ordinateur quantique en parallèle. J'en arrive à ma conclusion. Est-ce que finalement, après tout ça, il faut vraiment s'intéresser à la quantique ou est-ce que c'est des chimères et que finalement, ce million de qubits, on n'y arrivera jamais Donc la réponse, c'est j'en sais rien. Sur est-ce que ça marchera un jour, l'ordinateur quantique à titre personnel, je parierais pas forcément ma fortune sur l'ordinateur quantique, mais sur les recherches quantiques, oui. Je défends un peu mon territoire, hein, c'est le côté co corporate. Euh, mais vous voyez, ça pose cette question plus générale, est-ce que vraiment on a besoin de s'intéresser à la physique quantique Que je trouve une bonne question pour tout étudiant, qui est une bonne question pour tout le commun des mortels, hein, qui est une question qui se pose en ce moment, il y a le Crédit Agricole qui m'a invité à faire une conférence parce qu'ils se demandent si ça va remettre en cause leur business model, hein. le truc mais au-delà des applications, est-ce que tout citoyen devrait à tout prix essayer de comprendre la physique quantique Est-ce qu'on n'est quand même pas dans des trucs de niche hyper etc. Donc c'est le moment où je vais essayer de vous défendre que oui, il faut que tout le monde comprenne un peu de physique quantique. Alors je pense qu'il faut que tout le monde comprenne un peu de physique quantique pour plusieurs raisons. La première, c'est que fondamentalement, ça permet de comprendre notre monde. J'en ai pas parlé, mais c'est la physique quantique qui permet de comprendre la lumière, qui permet de comprendre la matière. Qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est brillant, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est transparent, qu'est-ce qui est opaque, qu'est-ce qui est métallique, qu'est-ce qui n'est pas métallique. Qu'est-ce qui conduit bien la chaleur Qu'est-ce qui ne conduit pas bien la chaleur Toutes ces propriétés-là, vous ne pouvez les comprendre qu'avec la physique quantique. Pourquoi un rubis est rouge Physique quantique. Pourquoi un aimant attire ou repousse Physique quantique. Sans la physique quantique, vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe dans un aimant qui ne se passe pas dans un bout de cuivre, par exemple. Et puis, ça permet de comprendre nos technologies, parce que c'est des technologies qui ont été inventées par la physique quantique. Le rayon laser, les LED. Tout ce qu'il y a dans votre smartphone, ça a été inventé par la physique quantique. Et si vous voulez devenir, par exemple, plus tard ingénieur dans le monde des high-tech, vous n'allez pas quand même échapper à un petit peu de physique quantique pour comprendre ces phénomènes. Peut-être anticiper les technos futurs. Bon, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec vous, même si je ne suis pas sûr qu'il faut apprendre la physique quantique pour comprendre l'ordinateur quantique, mais pourquoi pas. Pour faire le tri dans tout ce qu'on vous dit, on vous dit tout et n'importe quoi sur la quantique. Par exemple, mon préféré, Dipak Chopra. Euh, un américain qui invente tout un charabia de pseudoscience sur le. Là, c'est le corps quantique. Donc, dans ce bouquin-là, il vous dit. Alors, c'est sous-titré, si vous n'arrivez pas à lire. Les fabuleux pouvoirs de guérison de votre esprit. Donc, en gros, avec votre esprit, vous pouvez vous soigner grâce à la quantique, euh, pour le dire vite. Et vous pouvez spontanément guérir d'un cancer, de ce qu'il explique dans le bouquin, hein, grâce à la quantique, parce que saut quantique. Et il dit bah, comme les sauts quantiques, etc., qui ont été prouvés en laboratoire, oh, on peut soudainement passer d'un état à un autre et guérison miraculeuse. Alors je vous le dis de façon ridicule, évidemment, donc on se moque et c'est facile de ma part. Mais c'est dit de façon bien plus astucieuse et fine dans le livre. Il y a toute une rhétorique, toute une façon de montrer que c'est scientifique mais sans lettres, et dire mais les scientifiques eux-mêmes ont l'air de pas bien comprendre, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des mystères. Donc arrêtez d'être avec un esprit trop obtus, etc., etc. Je dis pas qu'il ne faut pas croire à des choses mystérieuses et opaques et obscures et tout. Je dis que c'est du domaine de la croyance et que ça me dérange absolument pas de la même manière qu'on peut croire en des religions ou qu'on peut croire en, je sais pas, des pouvoirs spirituels ou des pouvoirs exotiques. Je dis juste qu'il ne faut pas utiliser la science et la physique quantique comme argumentaire. Parce que là, c'est du charlatanisme. Donc voilà. Et puis, une autre raison qu'on oublie souvent, c'est l'environnement. Il me semble qu'il y a beaucoup d'enjeux dans l'environnement reliés à la physique, reliés à la chimie et reliés en particulier à la physique quantique. Je vous donne trois exemples. Les panneaux solaires, les centrales nucléaires et ITER et la fusion. Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Pourquoi comment Pourquoi voter Pourquoi est-ce qu'il faudrait arrêter le nucléaire Est-ce qu'il faut augmenter le photovoltaïque Est-ce qu'il faut croire en la fusion Je vous donne pas mon avis ici, je vous dis juste que si vous voulez vous faire un avis de citoyen, à un moment donné, il faut comprendre un petit peu les enjeux derrière en termes d'énergie, en termes de quantique, en termes de process, etc. Et ces trois objets-là se basent purement, seulement sur la physique quantique. Le futur des cellules photovoltaïques, par exemple, se joue dans la physique quantique. Comment convertir un photon en deux photons pour exciter deux électrons, etc. etc. Voilà, et si je n'ai pas fini de vous convaincre de ça, il me semble, en plus, au-delà, et ça c'est peut-être vrai pour toute la science et la physique en particulier, mais je pense aussi les mathématiques, la biologie, la chimie. Je, je pense que aller assez loin dans le monde de la science et dans cette compréhension des enjeux scientifiques, ça offre une autre vision du monde. Donc là, je vous ai fait un dernier effet spécial pourri. Euh, donc ça, c'est des rues, je ne sais pas où c'est. La pointe, ça, je ne sais pas où c'est. <laughs> c'est à Saint-Eustache, voilà. Et. Euh... La physique quantique, il me semble que ça n'appauvrit pas le monde ou ça ne le rend pas bizarre. Ça rajoute juste une sorte de calque. Vous voyez, ça rajoute une espèce de lecture du réel qui le transforme un petit peu. Vous avez vu hein C'est vraiment mon as. Euh, hop, voilà. Euh, souvent, on dit aux physiciens ou aux scientifiques bon, alors vous, vraiment, vous êtes comme ça et puis vous voyez toujours le monde à travers des équations. Sous-entendu, vous appauvrissez le réel. Je pense que la science rajoute, n'enlève pas au réel. Ce n'est pas parce qu'on est physicien qu'on ne peut pas savourer un beau tableau ou une belle poésie ou une belle chanson. Et de la même manière qu'on ne va jamais dire au poète ah ben bah, vous désincarnez le réel et avec la poésie on comprend moins bien le monde et autres, on rajoute des formes de compréhension au monde. Et je pense que la physique quantique, elle rajoute à notre vision du monde de savoir que le monde peut être non local, qu'il peut y avoir cette intrication entre deux particules dans l'espace, que un monde moment un objet est une onde à la fois, etc., etc. Moi, ça me fascine et ça offre, je trouve, une vision du monde un petit peu plus originale et rigolote que celle qu'on a d'habitude. Voilà. Je vous remercie. Bravo pour ce beau plaidoyer pour la physique, physique quantique en particulier. Il euh, y a sûrement plein de questions sur ce, ce bel exposé. Qui est-ce qui se lance Quand vous parlez de la manipulation chinoise sur l'intrication, comment vous expliquez que, que ces particules n'interagissent pas du tout avec l'atmosphère ouais. C'est une bonne question. Alors, au début, tout se passe bien. Dans les premiers kilomètres du voyage, tout se passe bien. Mais vers la fin de l'atmosphère, c'est une vraie catastrophe parce qu'il y a plein de particules. Et c'est pour ça que tu n'en as qu'une sur un million. Toutes les autres, elles interagissent avec les molécules de mais tu en as une de temps en temps qui arrive à passer sans interagir avec aucun atome de l'atmosphère. Mais comment c'est que c'est elle Ah Alors, tu la codes en fait. Alors, tu as plusieurs astuces. L'une d'entre elles, c'est de lui donner une certaine fréquence et une certaine polarisation pour arriver à repérer que c'est elle et donc avoir des très bons filtres au niveau de la détection pour repérer que c'est ce photon-là que tu cherches et pas un autre. C'est compliqué, mais tu y arrives. Euh, moi, c'était tout à l'heure. Vous avez expliqué que du coup, il y avait des modes propres de vibration euh, quand on contraignait. La contrainte, elle était spatiale. Alors, il y a plein de manières de faire une contrainte. L'une d'entre elles, c'est spatiale. Tu mets une boîte, ça marche. Il y en a des plus vicieuses. Un atome, par exemple, en fait, c'est exactement la même chose. Alors, l'atome, tu te dis, mais il n'y a pas une boîte, quoi. Il n'y a pas une coque. En fait, c'est une contrainte électrique. Le noyau au milieu, il tire comme un filet électrique autour de lui. Il piège l'électron, et c'est comme s'il subissait une boîte. Alors, quand je dis ça, c'est qu'en fait mathématiquement, ça revient presque au même quand on traite l'équation de Schrödinger. Et bien, on se rend compte que mettre une vraie boîte comme ça autour d'un atome, ou juste dire que c'est une sorte de filet électrique tenu par le noyau, ça donne presque la même chose, et ça donne ces modes-là et ces quantifications. L'écart entre les modes est juste un peu différent. Donc il y a plein de manières de faire une boîte. Tu peux la faire électriquement, juste en piégeant. L'idée, c'est juste de confiner, de coincer dans un endroit. Mais tu peux coincer avec des lasers, tu peux coincer avec une vraie boîte, tu peux coincer avec plein d'autres choses. Alors, moi, ma question, ça va être à propos de la capacité de stockage. On a vu que du coup, on pouvait stocker, enfin, traiter beaucoup d'informations, mais du coup, pour la stocker, euh, comment on ferait on a vu aussi que l'information, on la perd vite. Euh... Ouais, l'ordinateur quantique lui-même ne stocke pas, il sait juste calculer. Donc, il te faut à côté de l'ordinateur classique et il faut coupler les deux pour aller stocker les informations à la fin. Mais en fait, à la fin, l'information que tu dois stocker, elle est assez ridicule, puisque c'est un truc sur toute la bande. Tu vois Ce n'est pas toute la superposition que tu stockes. On n'est pas capable de filmer ce qui se passe en cours de route, donc on fait juste confiance à ce que ce qui se passe dans la boîte se passe bien. Mais à la fin, ce que ça te ressort, prend le calcul de Google, à la fin, c'est juste 53.01, donc c'est pas compliqué à stocker. Et là, il le stocke sur un vrai disque dur avec un vrai ordinateur ou une vraie mémoire, ou SSD, ou je ne sais pas quoi. Bonsoir, merci. Bonsoir. Euh, ma question est sur les codes de correction d'erreurs quantiques que vous avez mentionné. Vous disiez qu'on qu pouvait du coup, en quelque sorte, faire le calcul plusieurs fois et vérifier de temps en temps sur certaines des, des fonctions d'onde que tout allait bien. Mais vu qu'on est quand même sur un domaine très aléatoire, comment est-ce qu'on sait que si sur une fonction d'onde ça se passe mal, c'est le cas aussi sur les autres, et plus d'autant plus que si ça se passe bien, ça se passe aussi bien ailleurs, euh, et que ça se passe pas juste bien juste sur l'une d'entre elles qu'on regarde et pas sur, et, et mal sur les autres. Ouais. Alors, euh, là je vais faire une réponse que j'aime pas faire d'habitude. C'est en regardant la façon dont c'est calculé et dont c'est construit dans les articles de code de correction d'erreur qu'on se rend compte que ça peut marcher. C'est vraiment hyper naze comme réponse. Et j'en suis désolé. C'est un peu technique, mais en gros, euh, l'idée c'est que tu as besoin de beaucoup plus d'informations que l'information de base pour construire un calcul. C'est pas juste aussi simple que dupliquer et de temps en temps chez pitch. Voilà. Mais, mais c'est vraiment pas satisfaisant ma réponse. Alors une autre question ici. À laquelle je ne saurais pas répondre non plus. Merci pour vous exposer, c'est passionnant, ça rappelle des camps de Méca-Q, c'est comme Paris. Euh, J'avais une question euh, concernant euh, l'énergie qu'il euh, qu va falloir utiliser pour faire fonctionner l'ordinateur, qui, j'imagine, va dépendre du nombre de qubits. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un, on dire, un rendement euh, intéressant en termes d'énergie à produire est-ce qu'on n'est pas, enfin, j'exagère en disant un peu de boutade, on n'est pas dans le Bitcoin est Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas entre guillemets utiliser une centrale nucléaire pour faire fonctionner un ordinateur quantique. Ah ouais, c'est une Merci. très bonne question. Alors non, en fait, non. Il ne faut pas beaucoup d'énergie. Il faut l'énergie pour faire marcher un cryostat. Là, les énergies en jeu, c'est des énergies électriques ridicules euh, pour faire les. les... Comment est-ce qu'on fait pour faire ces portes quantiques C'est des petits signaux radio, micro-ondes, avec des puissances absolument ridicules. Donc la machine elle-même, elle ne elle consomme pas grand-chose. L'essentiel de la consommation, c'est juste pour maintenir le truc froid. Mais ça, nous, on en des dizaines dans les laboratoires, des cryostats. Le, le truc le plus dangereux, enfin le, comment dire, la ressource la plus précieuse, c'est l'hélium. Il y a une pénurie d'hélium actuellement dans le monde. Le marché de l'hélium explose. Euh, il y a cinq ans, ça coûtait 5 euros le litre. Là, l'année prochaine, on pense être à 40 euros le litre. Donc c'est un drame pour les laboratoires. Et donc l'enjeu, c'est plutôt l'hélium. C'est qu'on a très peu d'hélium. Et je ne parle même pas de l'hélium 3, qui est un isotope particulier dont on a besoin pour faire marcher ces cryostats et qui coûte, c'est plusieurs, euh, c'est je crois dix mille euros le litre. Hein, c'est cette ordre de grandeur. Donc euh, voilà, l'enjeu, le, c'est euh, l'essence pour faire marcher le criosa qui, elle est très chère, en gros. C'est pas le courant électrique. Il est plutôt ridicule, le courant électrique. J ai, j ai une question complémentaire sur l'équation Navier Stokes, j'ai travaillé dessus. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à terme à, à trouver des solutions euh, analytiques ah, Analytiques. Oui. Oh, ben, on aurait un million d'euros si on y arrivait. Oui, oui, Il y a un prix d'un million d'euros pour <laughs> qu'il résoudra l'équation de Navier Stokes. <laughs> Donc si je le savais, je serais hyper content et je serais pas avec vous ce soir. <laughs> je serais dans Donc, ma ville là, je merci. sais pas où. Euh... Au soleil, loin du coronavirus. Euh, donc, l'ordinateur quantique ne résoudra pas analytiquement. Ce que fait l'ordinateur quantique, si j'ai bien compris, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je crois qu'à chaque fois qu'on fait des simulations dans ce genre de truc de fluide, on fait ce qu'on appelle des mèches, enfin, on fait des sortes de, de petits objets, et sur chacun, on va essayer de calculer ce qui se passe avec le plus grand nombre de nœuds possible pour faire ça le mieux possible. Et on est limité à un certain nombre de nœuds actuellement dans les calculs, et je crois que l'ordinateur quantique permettrait de traiter des choses bien plus précises, donc en gros d'aller plus vite et de faire mieux, mais uniquement du côté de la simulation, pas du côté du calcul analytique. Là, on attend encore des brillants esprits pour essayer de résoudre Navier-Stokes analytiquement. Et, mais je vous souhaite bonne chance. Euh, euh, bon, bonsoir. Euh, C'est à propos de la superposition. Euh, quand vous avez parlé qu'une un, entité euh, quantique pouvait être euh, dans plusieurs états à la fois, euh, je voulais savoir s'il y avait une limite à ce modèle-là, dans le sens où euh, euh, une limite de, euh, de dimension ou de nombre de c'est pas de la division mais enfin, euh, attendez il faut que je la reformule j'ai rien compris euh, euh, non mais euh, si je en fait en fait vous voyez vous avez parlé de ouais et euh, ce que je voudrais comprendre c'est est-ce euh, que cette superposition elle est finalement infinie c'est-à-dire que l'entité peut se superposer avec euh, enfin, dans une infinité d'états est-ce que cette superposition d'états a une, euh, une distance limite, c'est-à-dire qu'elle peut être dans plusieurs endroits à la fois, mais est-ce que euh, au bout oui, d'une oui. certaine distance, ça ne marche plus Alors c'est une très bonne question. Donc, à, ta, à ta première question, qui est est-ce que ça peut se superposer dans une infinité d'états, alors théoriquement oui, en pratique tu vois rien que la quantification fait que tu vas jouer que seulement sur certains états. En tous les cas, pour l'ordinateur quantique, tu veux surtout pas. Tu veux que ce soit seulement deux états, sinon tu es perdu. Donc, un des jeux, notamment technologiques, avec les supraconducteurs, c'est d'arriver à piéger ce circuit électrique dont je vous ai passé dans deux états en bas et surtout pas les autres. Et ça, les spécialistes de ça, c'est les Français. Hein, c'est les gens du CEA qui ont réussi vraiment à construire ce truc-là pour la première fois et qui ensuite l'ont exporté aux États-Unis. Euh, L'autre question, c'est sur la distance. Euh, c'est une bonne question aussi. Tu te souviens la balançoire où Je disais, bah, elle fait ça et ça à la fois. On se dit, waouh, au moment où je prends une photo ici, elle est à la fois là et là, il y a quoi comme distance alors la distance, vous allez voir, c'est un peu décevant par rapport à mon dessin. C'est de l'ordre du centième de la taille d'un noyau d'atome. C'est ridicule. Donc en fait, cette superposition, voilà, elle fait ça. On voit rien. En fait, quand on dit qu'un truc peut être dans deux endroits à la fois, c'est vrai, mais ce n'est pas deux endroits très loin. Voilà, c'est compliqué de mettre quelque chose dans deux endroits à la fois très loin sur des gros objets, on va dire. Plus l'objet est petit, plus c'est facile et plus on peut essayer de faire des choses spectaculaires. Souvenez-vous de la molécule de 2000 atomes. À un moment de la manip, elle est vraiment passée à travers deux fentes à la fois qui sont à quelques centimètres l'une de l'autre. Mais c'est un petit objet. La balançoire, elle est trop grosse pour faire ça. Dans l'ordinateur quantique, on ne veut surtout pas faire ça. Au contraire, on veut tout mettre tout le monde au même endroit. Donc le microprocesseur est petit. Il fait plutôt un demi-centimètre ou quelques millimètres de côté avec une cinquantaine de qubits. On ne veut surtout pas l'emmener en deux villes de, différentes de Chine. Donc tu vois qu'il y a deux types de recherches. Ceux qui vont essayer de séparer très loin des objets quantiques et de jouer à des influences mutuelles. Et l'ordinateur quantique qui va plutôt essayer de resserrer le tout, mais d'en faire... Plein à la fois. Une autre question ici. Bonsoir. Bonsoir. Euh, comment peut-on, dans le cadre de la balançoire, mesurer euh, le fait qu'elle soit superposée Est-ce qu'il y a une ouais. analogie avec les, les trous de Jung dont vous parliez tout à l'heure ou... Alors Non, là, c'est ce qu'on appelle les oscillations de Rabi. Alors, comment l'expliquer euh, mmh. euh, Si on a un objet dans deux états à la fois, la manière de le voir, c'est d'essayer de l'exciter. Donc de lui envoyer une onde qui a exactement cette distance-là en énergie. Donc tu le bon rayon lumineux pour faire des transitions entre les deux. Et tu peux calculer, c'est vraiment un calcul, hein, mais pas très compliqué, que la façon dont ça saute de l'un à l'autre, ça va être différent si tu en as seulement en bas ou seulement en haut ou un peu des deux. Et tu peux te rendre compte que si tu fais ça en faisant varier on va dire, la fréquence ou en faisant varier le temps, ça va osciller. Et cette oscillation ne peut exister que si c'était dans les deux états à la fois au début. Et quand cette oscillation va osciller, en fait, ça va osciller entre tout en bas, tout en haut, et puis l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'en gros, ça va commencer tout en bas, donc l'oscillation, elle est en bas. Et puis, progressivement, on va y avoir un peu de population en haut qui va monter, donc ça va être 90%, 10%, 80%, 20%, 70%, 30%, etc. Et ce truc va osciller comme ça. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes à un endroit de l'oscillation, tu sais exactement combien tu as en haut et en bas. Et c'est ces oscillations de Rabi qui permettent aux gens de l'ordinateur quantique de le manipuler, en voyant où ils sont sur ces oscillations et en balançant, ils balancent par exemple des micro-ondes sur les supraconducteurs pour jouer avec ces oscillations de Rabi. Donc c'est pas hyper convaincant, mais on a construit une petite animation sur Internet, si tu vas sur le site Tout est quantique, tu regardes Superposition d'État où on essaye de montrer la simulation, enfin l'animation pour comprendre les oscillations de rabi. Mais c'est pas direct. Comme toujours avec la quantique, il faut être un peu astucieux pour voir ce qu'on ne peut pas voir. Bonsoir. Bonsoir. Hein. J'ai cru entendre parler de donc pas des qubits, mais euh, qui seraient dans trois états superposés. Et est-ce que ce serait intéressant, plus intéressant que les qubits ou, euh, ou pas tu as plus d'informations, ouais. tu en stocks plus. Euh, je pense qu'à la fin, le nombre d'informations, ce n'est pas ce qui est très gênant, parce que dès que tu augmentes le nombre de qubits, de toute façon, ça va très vite et ça croît exponentiellement. Donc, pour moi, mais je me trompe peut-être, hein, euh, l'enjeu, c'est arriver à en manipuler plein à la fois. Et je ne sais pas si ce n'est pas plus compliqué quand en, en en trois états que deux états, mais je suis pas sûr. Je, là, je sais pas. Euh, je sais que les supraconducteurs qui sont les plus pratiques actuellement, pour plein de raisons, c'est deux états. Je crois que dans les ions quantiques, tu as des versions à trois états. Je sais qu'à l'époque, ils avaient fait des trucs avec des manipes de RMN où tu avais plusieurs états, mais qui se sont avérés pas efficaces dès que tu veux monter à l'échelle. Le grand problème de l'ordinateur quantique, c'est monter à l'échelle. On sait faire un ordinateur quantique dès maintenant, mais il est tout petit, et on aimerait le faire plus gros. Et là, je suis pas sûr que trois états, ça ne complique pas l'histoire. Euh, moi, j'ai une question sur euh, l'ordinateur quantique. Donc, euh, tout à l'heure, vous avez dit qu'il euh, était composé de portes logiques et on avait euh, les qubits qui étaient reliés entre eux par des portes logiques. Mais, enfin, pour moi, une porte logique, c'est euh, une boîte noire avec euh, des états d'entrée et une état, un état de sortie. Mais euh, l'état de sortie, on est obligé de le, enfin, pourquoi on ne fait pas de mesure au moment où on passe à l'intérieur de la, de la boîte noire, enfin, du coup, de, de cette porte logique. Pourquoi il n'y a pas de mesure qui est faite à ce moment-là Ah, euh, alors c'est une bonne question. Tu te souviens de mon algorithme où j'avais mes trucs superposés quand je fais agir ces portes logiques, ça fait pousser un peu la fonction d'onde. Si tu mesures à ce moment-là, c'est mort, parce que tu as trop d'incertitude. Il faut problème, boucler le calcul et le finir suffisamment pour que ta fonction d'onde ait convergé vers ton résultat avant de mesurer. Si tu mesures après la première porte logique, ta superposition d'état s'arrête. Au moment où tu mesures, ça s'arrête la superposition d'état. Et là, tu n'es plus quantique. Mais mon problème, c'est pourquoi la porte logique ne mesure pas. ne, ne... Ah, pourquoi elle, son effet, c'est oui. pas mesuré Ah oui, euh, parce qu'elle a été construite astucieusement. Mais, mais, mais ça montre bien la difficulté technologique. C'est que la porte logique ne crée pas la décohérence. En fait, la porte logique, par exemple, quand je dis que c'est des ondes radio, donc c'est des petites micro-ondes amenées sur des circuits. Donc c'est vraiment comme les antennes de vos téléphones portables. Hein. C'est vraiment la même chose et la même technologie. Il y a un petit fil, on balance une petite micro-onde dessus qui va aller taper sur le qubit et qui va, à cause de mes oscillations de tout à l'heure, changer les populations. Voilà. Et je veux faire que ça et surtout rien d'autre. Si j'en fais plus, ça s'arrête. Donc il y a tout un enjeu d'aller mesurer en délicatesse. En gros, l'ordinateur quantique, c'est un objet où il faut être délicat. Et les autres, si vous en avez marre, vous avez le droit de vous en aller. Hein. Ceux-là, ils sont lancés, hein, à mon avis. Pff. On veut tout savoir. Oui, je comprends. Euh, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez parlé d'intrication quantique. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour euh, pouvoir intriquer des atomes ou des particules, et quelles sont les, les limites justement à cette intrication qui font qu'on peut la perdre justement Alors, euh, le faire, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire dès qu'on va mettre deux objets, qu'on va les, les faire interagir à basse température de façon contrôlée, ils vont s'intriquer. Le problème, c'est ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas la perdre. Et donc pas la perdre. La seule solution, c'est protéger le plus possible le quantique, donc l'empêcher d'interagir avec trop de choses autour de lui. Donc faire le vide. Donc c'est des manipes sous ultra-vide, faire le noir, pas mettre de lumière, et le moins de chaleur possible, parce que la chaleur, c'est une catastrophe, ça fait vibrer tous les atomes autour, donc ça crée du bruit, donc je vois un machin bouger, j'interagis, et c'est la catastrophe. Donc refroidir, refroidir. Donc tous ces ordinateurs marchent, je vous dis, à, je vous répète le chiffre, parce qu'il est quand même fascinant, c'est 0,015 degrés du zéro absolu pour l'ordinateur Google, et tous sont à peu près dans ces gammes-là. Donc on est à euh, 0,01 degré, on est à un centième de degré du zéro absolu. C'est absolument prodigieux. Et donc, faut pas faire ça avec la marmite, quoi, en gros. Alors, juste en prolongement à ma première question, vous dites pour intriquer des atomes ou des particules, il faut les mettre ensemble. Mais est-ce que vous pouvez préciser un peu le terme « mettre ensemble » euh, Alors, pour les supraconducteurs, par exemple, là, l'idée, c'est de tous les combiner dans un même circuit électrique. Voilà. Ah oui, ma réponse s'arrête là. Une dernière question peut-être? Ah là-bas euh, J'avais une question par rapport aux télécommunications, puisqu'on parle actuellement des télécommunications quantiques. Est ce que vous voyez un déploiement au niveau mondial euh, d'un réseau similaire à celui euh, à, à celui de la fibre optique actuellement, euh, dans quel matériau on échange euh, des informations quantiques sur des grandes distances. Je sais qu'actuellement c'est assez limité, hein, c'est limité à quelques mètres, euh, mais, mais comment voyez-vous l'avenir des télécommunications, notamment avec les qubits et les Alors, euh, donc c'est pas limité à quelques mètres, on a su faire ça dans des réseaux de fibre optique, par exemple en Suisse, sur des centaines de kilomètres, donc, donc ça, il n'y a, a pas de limite, mais dans ces cas-là, il faut rien mettre d'autre dans la fibre, en gros. Euh, J'y crois absolument pas. Euh, je suis encore filmé là Salut les copains. Euh, à quoi ça sert On va le dire comme ça. On pourrait se dire ouais, mais avec ce truc d'intrication on peut communiquer à distance instantanément. Alors non. La réponse est non parce que quand on mesure là vous vous souvenez c'est aléatoire. Donc on contrôle pas l'information on ne peut que la lire et c'est après en appelant le copain là-bas qu'on compare qu'il y a une corrélation. Et quand on l'appelle ça nous prend le temps de la vitesse de la lumière donc on gagne rien. Donc on va pas gagner sur le temps des télécommunications. La vitesse de la lumière dans une fibre optique on va jamais être plus rapide que ça. Donc là là on y est déjà. Là où ça peut servir, c'est sur la cryptographie. C'est-à-dire qu'on peut intelligemment coder l'information et de façon à ce que, dans l'expérience-là, si on code les informations, je pourrais expliquer comment, mais en gros, ce n'est pas très compliqué. On, a, on se partage un code et si un espion sur la route, on le voit parce qu'il a interagi avec le truc et donc on voit qu'il y a eu quelqu'un. Donc c'est le, le code idéal parce qu'on se partage un code et on sait si quelqu'un l'a espionné. Et si quelqu'un l'a espionné, on se partage un deuxième code. D'accord il se trouve que c'est déjà en place dans les réseaux bancaires suisses. Ils utilisent dans les immeubles ou à petite distance de la cryptographie quantique parce qu'ils savent que c'est inviolable. Mais on est vraiment dans une application de niche. Alors, donc là, c'est la première réponse. La deuxième, quand même, c'est qu'en fait, la quantique est déjà au cœur de toutes les télécoms. La façon dont marche une fibre optique, c'est comment C'est prodigieux une fibre optique. C'est un tube de verre, d'accord, dans lequel on balance un spot de lumière et ça rebondit. C'est débile. Hein Sauf que bon, si on regarde déjà technologiquement, c'est absolument incroyable. Et puis, ce spot de lumière, comment on fait pour le mettre On le fabrique avec une petite diode laser. Cette diode laser, c'est une invention de la quantique. Donc, en fait, les télécoms et Internet, vous les avez grâce à la quantique, mais pas grâce à l'intrication, ni grâce à des choses sophistiquées de quantique. Alors, peut-être que des experts du monde des télécoms quantiques me contrediront et trouveront des applications autres que la cryptographie. Moi, j'en vois pas des évidentes. Alors, est-ce qu'il y aurait un intérêt à communiquer entre, par exemple, deux labos de recherche qui sont pas du tout au même endroit dans le monde, d'échanger des qubits comme ça pour des applications pratiques Vous voyez pas du tout. Oh, non. L'avenir nous le dira. Euh, non, 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 non. Je vois pas. Euh... Une autre question qui est reliée à la tienne, mais qui est une bonne question, c'est est -ce, combien il en faudra d'ordinateurs quantiques à la fin Est-ce qu'il en faudrait un chez chacun d'entre vous Alors la réponse est clairement non. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a un qui a fait le calcul sur la nitrogénase, on n'a pas besoin de le faire ailleurs. Donc il vaut mieux avoir quelques ordinateurs très puissants à quelques endroits clés dans le monde et utiliser le cloud. IBM, ils sont très forts ils ont dit, on les met sur le cloud. Vous pouvez ce soir rentrer chez vous, faire un programme quantique et l'envoyer sur un des ordinateurs physiques de IBM ils vous le calculent ils vous renvoient le truc. Alors il y a une file d'attente, mais vous pouvez le faire. Et en fait, il y a pas tant de gens que ça qui testent. Donc en fait, on n'aura pas besoin de milliards d'ordinateurs quantiques. L'enjeu, n'est pas de remplacer vos ordinateurs, c'est d'avoir des machines hyper puissantes qui font certains calculs très particuliers et qui nous aident dans ces calculs-là. Mais il en faudra quand même quelques-uns. Et là, ça se posent plein de questions intéressantes, politiques, géopolitiques. Est-ce que vous voulez que ça soit Google qui est le premier et qui le fasse marcher en premier Est-ce que vous voulez que ça soit le CNRS Que vous voulez que ça soit le CEA Est-ce que vous voulez que ça soit les Chinois Que ça soit les Russes et Donc là, commence à se poser des vrais enjeux industriels et technologiques qui foutent la trouille à tout le monde. Et c'est pour ça que là, il y a eu ce rapport de l'Académie des sciences. Il y a trois semaines, un mois, il y a eu un rapport d'une députée française, hein, qui est actuellement d'ailleurs candidate, je crois, dans le 19e, euh, pour euh, expliquer à l'État français quoi faire par rapport aux technologies quantiques et où investir et comment investir. L'Europe vient de décider un flagship européen avec un milliard d'euros de financement de la recherche publique sur les ordinateurs quantiques. Et les, alors, ils appellent ça les technologies quantiques, vous voyez Eux, ils disent peut-être que l'ordinateur marche pas, mais nous, on finance tout. Le diamant aussi, par exemple. Donc, cet enjeu-là, de combien il y en aura, où ils seront et tout, il va être là. Est-ce qu'on va les faire collaborer entre eux ou là là, non, je pense que chacun va faire tourner le sien, dans un premier temps. Alors là, c'est peut-être la dernière question, parce que l'heure tourne quand même. Puis là, on euh... est probablement devenu complètement hors-la-loi, euh, selon ce qu'a dit Macron. Euh, ce oui, soir. On, on parlait du froid tout à l'heure. Est-ce euh, qu'il y a des recherches euh, afin d'obtenir... Euh d'avoir des températures plus basses et est-ce que ça permettrait justement de pouvoir mettre plus d'atomes quantiques ah. Est-ce que si on refroidissait encore plus, ça serait mieux Alors, dans, dans le cas présent, je pense pas, je pense qu'ils sont déjà au froid parce qu'ils ont un problème en particulier, c'est que dès qu'on va mettre du courant électrique dedans, ça va rechauffer. Donc, si on refroidissait énormément, en plus, de toute façon, les petites micro-ondes et le courant qu'on met dedans, le rechaufferait un peu comme un grippin et on va avoir du mal à descendre beaucoup plus bas. Et je suis pas sûr qu'on gagne énormément plus. Maintenant, est-ce qu'il y a des recherches pour la plus basse température Alors oui, plein. Euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à essayer de travailler à basse température. On adore ça, descendre le plus froid possible, parce qu'à chaque fois, on a des surprises. Je vous donne un exemple de recherche, et on va se quitter là-dessus, parce que c'est un des plus beaux exemples et dont vous n'avez jamais entendu parler. <laughs> Il y a des gens, moi, j'ai passé une partie de ma vie à ça, qui prennent des aimants d'un genre un peu particulier, des spins. Vous vous souvenez des petits spins et Ils les mettent en étoile de David. Voilà. Donc, vous avez plein de petites étoiles de David. Donc, quand vous mettez des spins sur un triangle et vous imaginez que vous les obligez à se mettre anti-alignés, bah sur un triangle, ils n'y arrivent pas, quoi, parce que si on a deux qui se mettent comme ça, le troisième sait pas quoi faire. Et donc vous allez être hyper vicieux, vous allez faire ça sur plein d'étoiles de David, les unes à côté des autres, sur chaque sommet d'une étoile, vous mettez un spin et vous l'obligez à être anti aligné avec son voisin. Donc les spins ils deviennent fous hein. D'accord On appelle ça un système géométriquement frustré. D'accord le système, il dit mais qu'est-ce que je fais Et donc ils ont étudié ces systèmes-là, je les ai étudiés moi-même un petit peu, et j'ai des collègues qui continuent à étudier ça, ils sont passionnés de ça et on s'amuse à refroidir le truc. Alors là, il y a une règle absolue dans ma physique à moi, la physique des solides, c'est que quand vous refroidissez à un moment donné, ça gèle. D'accord Et au zéro, ça gèle. Et ben, ces systèmes-là ne gèlent jamais. Les spins s'affolent. Et alors, au début, on pensait qu'ils devenaient liquides, on appelait ça un liquide de spin, et qu'ils se mettaient tous à 120 degrés, parce que c'était bien pratique pour tout le monde. C'est genre, bon, bah, je suis un peu aligné, mais pas trop, mais un peu. Et voilà. Et on s'est rendu compte que non, vous savez ce qu'ils font, les spins Vous allez voir, c'est dément. Les spins sur deux points se mettent anti-alignés, comme ça et comme ça à la fois. Superposition d'état, qubit, d'accord et puis ils font ça aussi entre ces deux points-là, puis on entre ces deux points-là, puis entre ces deux points, ces deux points Donc sur toutes les arêtes de tous les triangles, il y en a à 10 puissance 23, ils se mettent dans toutes les superpositions possibles. Déjà le truc absolument dément. Mais ils ont découvert que probablement ils font ça à encore plus grande distance. Qu'ils arrivent à se superposer avec un spin qui est à 5 ou 6 arêtes de là. Et donc vous avez le chat de Schrödinger le plus superposé au monde dans un machin qui a une tronche de roche noire, en gros, qu'on a trouvé dans une mine en Argentine ou au Chili, je crois que ça s'appelle de l'Herbert Smithite. Vous mettez ça dans un cryosta. Très près du zéro absolu, donc là on s'est aller jusqu'à 1 milli Kelvin par exemple du zéro absolu, bien bien plus froid, 15 fois plus froid que dans l'ordinateur quantique, et ça continue de s'affoler et de faire un chat Schrödinger absolument fabuleux. Donc c'est une sorte d'ordinateur quantique fabuleux mais qu'on sait absolument pas utiliser, donc on se contente juste de l'observer et de l'admirer. On se quitte là-dessus Merci.